Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais jouer Dark Angel avec le détachement Space Marine Stormlance. On va jouer beaucoup de motos. Le détachement Stormlance, concrètement, qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet de faire des courses et des charges ou des retreats et des charges. Je joue donc Azrael. Azrael qui permet de récupérer des PC. Il va être dans une unité de 10 intercesseurs d'assaut, accompagné d'un lieutenant. Et en plus de ça, j'ai mis une petite reluque sur mon lieutenant qui permet de reroll le jet de course. Je joue également un lieutenant en combi weapon, donc c'est une unité qui est non opérative, style super pratique pour garder les objectifs. Je joue deux chaplains à moto. Le premier va être équipé d'une relique qui permet d'avoir plus 1 en force et plus 1 en PA tout le temps. Et s'il charge, ça sera plus 2. Il va être dans une unité de 3 Outrider, donc c'est les motos hein, global primaris qu'on a aujourd'hui. Et on n'oublie pas que quand elles courent, elles font un 6 auto à la course, ça fait qu'elles bougent de 18 et donc que derrière on peut charger. Le deuxième chaplain a également une relique qui permet d'être éligible pour tirer une fois qu'il a retreat. Il va être dans une unité de 3 Outrider, encore une fois les motos primaris. Et là-dedans, j'ai mis une petite ATV avec un petit fuseur qui va être chargé de défoncer la forteresse qu'il va y avoir en face de moi. Et évidemment, quand on joue autant de motos, on a envie de jouer Samael. Je suis trop content de la figue. Je l'ai faite, je l'ai complètement convertie à partir d'une moto Primaris. Ouais, je la survends parce que je crois que c'est l'une de mes figues préférées. Il est super bien, Samael, puisqu'il permet la course et charge. Super, c'est déjà OK dans ce détachement. Il permet de tirer également si j'en ai besoin. Et surtout, il va être dans une unité de 6 chevaliers de la Raven Wing. Donc, c'est vraiment les motos équipées de plasma qui ont tout ce qu'il faut, donc le mec qui permet de ramener une moto à votre phase de commandement si jamais il y en a une qui est morte. Bref, vous aurez compris, ça c'est la grosse unité coup de poing qui va très vite et qui va faire très peur à mon adversaire. Je joue également une unité de 6 Blade Guard vétérans, donc c'est ceux avec les épées, un Redemptor Dreadnought avec forcément le macro incinérateur à plasma parce qu'on joue Dark Angel et qu'on aime le plasma, un Storm Speeder Hammer Strike. Je joue un Dark Talon, donc c'est un avion Dark Angel. Vous allez voir que Félix va vous présenter sa liste et il va essayer de vous amadouer en vous la présentant en compagnie de son chat. Ne vous laissez pas avoir, les amis, c'est bien les Dark Angel qui vont combattre aujourd'hui et on aura zéro pitié pour ces petits mecs. Salut tout le monde, c'est Félix de la Wargame Room. Je suis invité aujourd'hui chez The Squiggered et je vais faire une partie de Warhammer 40 000 avec Jim, avec sa magnifique armée Dark Angel. Pour l'occasion, il m'a prêté donc l'armée Votan du studio de The Squiggered et je vais vous présenter ma liste de suite. Tout d'abord, en tant que seigneur de guerre, on aura un Khal qui sera suivi par une escouade de 20 guerriers Votan. À savoir que les guerriers Votan se jouaient avant par 20 et que ça a changé entre temps et que du coup ça ne fonctionne plus, donc ne faites pas ça chez vous. Ça ne change pas grand chose pour le reste des personnages. On aura un Grimnir qui sera utilisé de manière solitaire. On va l'envoyer comme un petit missile balancé du pouvoir psychique. Et pour terminer en termes de personnages, on va avoir pas un, pas deux, mais bien trois champions qui vont pareil agir indépendamment pour aller mettre des gros coups de marteau dans la tronche des Dark Angels. Pour ce qui est des autres unités, on va avoir d'abord deux packs de 10 berserks qui vont faire mettre des gros coups de marteau au véhicule Dark Angel, on l'espère. En plus de ça, on aura tout d'abord une escouade de 10 Urskine et 5, donc les Terminators Votan. Seront menées donc l'escouade de 10 par le Khal qui est mon seigneur de guerre pour donner les petits bonus qui vont bien ainsi que le petit stratagème qui peut être assez rigolo. Quant à la deuxième, elle me permettra d'éventuellement faire des secondaires, puisque il y en a quand même beaucoup moins, il n'y en a que 5 et ça se place un peu plus facilement sur la map. On aura ensuite 3 Thunderkin, donc les Votan qui tirent avec des grosses armes de loin. Ils seront d'ailleurs transportés à l'intérieur d'une forteresse Hécatone qui sera équipée en mode full tir énervé avec Ion Blaster et bien évidemment Mania Rail. On aura ensuite un transport Sagittor. Et pour terminer cette liste, on aura 3 motos Pioneers qui vont en fait nous permettre de faire des secondaires en arrivant par exemple des renforts stratégiques. Je suis très content d'avoir été invité par Jim et Sam pour faire cette partie de Warhammer 40 000. J'espère que vous l'apprécierez, j'espère que les Votan vont gagner et vous montrer que même si on fait 1m20, eh ben, on peut casser la bouche de tout le monde. Début de
cette bataille contre Félix, un spécialiste de 40K. Au moins. Tout à fait. Qui est venu avec ses Votan. Ouais. T'es enfin, joli, t'es Votan. Ouais, du coup, ouais, ça y est, tu commences déjà. Aube de guerre, déploiement classique, 2 lignes jusqu'à 10 pouces. Dans la longueur. Opposé, vous pouvez le voir sur la zénithale, juste ici. La mission principale dit que par objectif qu'on contrôle, on marque 5 points jusqu'à 10 points maximum. À partir du T2, bien évidemment. La petite subtilité, c'est qu'au T5, on pourra marquer 15 points. Voilà, donc il faudra contrôler, sous-entendu, 3 objectifs au T5 pour marquer le maximum de points. Et ensuite, la petite règle qui s'appelle le paradoxe Parasite Vox, je dirais même, c'est encore mieux, fait qu'en gros, les relances de commandement sont à 2 PC et non 1. C'est cher. Comme j'en utilise jamais, autant vous dire que j'aime beaucoup cette carte. Pour ma part, bon, la règle des Votan consiste à placer des tokens de jugement avant le début de la bataille. Quand on joue à 2000 points, on peut en placer jusqu'à 4 doubles tokens de jugement qui va me permettre d'avoir un +1 à la touche et un +1 à la blessure sur les unités que j'aurai pointées avec ces petits tokens que vous pouvez voir sur la zénithale. Ouais. On en a un sur le Rédempteur Dreadnought. On en a un ensuite sur chacune des escouades de moto du champ de bataille. Parce que moi, j'aime pas la mobilité. Alors, comme il place des tokens pour dire qu'il est +1 hit, +1 bless, ce qui est vite fait hein, comme bonus, moi, j'ai mon petit perso avec le combi weapon qui est juste ici, qui est bien connu en ce moment, qui peut choisir un objectif sur la table et dire qu'en gros, j'aurai les rerolls des 1 pour blesser sur les unités qui seront à portée de cet objectif de mon adversaire, bien évidemment. J'ai choisi ce token aussi. J'ai eu l'initiative. Que tu voulais, de toute façon. Oh, de ouf. J'étais super chaud pour avoir l'initiative. On récupère chacun, du coup, un point de commandement. Exactement. Au début de notre tour. Donc, on est tous les deux à 1. À savoir que j'ai tiré mes objectifs. Ouais. Assassinat et capturer l'avant-poste ennemi. Assassinat consiste à détruire des figurines personnages de l'armée de mon adversaire. Et capturer l'avant-poste ennemi consiste à être dans son bord de table et surtout sur son objectif pour gagner un total de 8 points. Inutile de vous dire que c'est pas le plus plaisant à avoir dès le début de la bataille. Mais bon, ouais, tu vois. Le hasard fait que... Il n'y a pas de hasard là. Il n'y a pas de hasard. Tu vas scorer aucune de ces deux cartes. C'est assez clair. Comment t'es dans ton esprit? Pourquoi ton déploiement? Tu l'as fait comme ça? Voilà, quel génie il y a derrière ce déploiement? Il y a une énorme stratégie qui est celle de mordre la ligne les 3/4 du temps et d'essayer de se projeter le plus vite sur la map. Sur mon flanc gauche, je vais avoir un pack de 10 bézerques avec le copain champion. Derrière un bloquant et qui peuvent tracer droit devant si on s'approche un petit peu trop d'eux. En plein milieu, on a mon dispositif central avec mon Hécatone Forteresse qui contient les Votan de tir dont j'ai oublié le nom, ouais. C'est pas très grave. Et derrière, on a surtout le pack de 20 guerriers avec salade tomate-oignon dans les unités accompagné d'un Grimnir qui va leur donner un magnifique Feel No Pain ou une invulnérable à 5, enfin en tout cas qui va les renforcer, leur augmenter l'endurance de 1, pardon. On a ensuite un Sagittor qui va contenir donc 5 guerriers, suivi d'un autre petit champion et de 5 derniers Bézerques. Mmh. Et pour terminer, au flanc droit, on aura donc les 5 autres guerriers qui ne sont pas dans le Sagittor, ainsi qu'un dernier champion. Tout le reste est en frappe en profondeur, à savoir qu'en frappe en profondeur, je vais avoir un pack de 10 Terminators avec le Cal, un pack de 5 Terminators tout seul, ainsi que 3 motos qui seront, elles, en renfort stratégique. Eh bien, ça fait un petit peu de monde. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai? Très simple. Déjà, pas de renfort stratégique, comme ça, moi, tout est sur table. Moi, je dévoile mes cartes. Donc, le Dreadnought Redemptor ici. Alors, moi, il n'y a pas de grande stratégie intellectuelle derrière le placement de mes figurines. On va jouer à armes égales. Voilà, j'ai caché un peu tout, à savoir que comme je suis en Star Lance, les motos, elles bougent de 18 et à charge. Autant vous dire que je me suis mis front à 10 pas en disant je vais avancer de 18 et si tu t'exposes trop, je viendrai te casser la bouche si tu viens. Donc voilà, globalement, c'est un peu la seule réflexion que j'ai eue. Les mecs qui tapent fort au corps à corps, ils se mettent là. Les motos un petit peu cachées derrière ça. Bon, ici, quand même, on déconne pas, on a caché tout le gros pack. Et on a caché surtout la grosse force majeure avec Samael des chevaliers de la Ravenwing. Parce que eux, ils font très mal au tir. Ils n'ont pas besoin non plus d'aller chercher au claque, bien qu'ils se débrouillent. Bon, voilà. Globalement, on est un peu comme ça. Et ici, bah, eux, je savais pas quoi en foutre. Et visiblement, il y a un duel qui va se préparer qui a l'air un peu tendu. Ouais, je veux dire. Et tu joues en avion. Et je joue en avion, ouais, tout à fait. C'est pas banal, ça. C'est pas banal. C'est pas banal, mais peut-être que tu vas faire des trucs. Hein. Ouais, de ouf. Je vais bouger mes figurines. Fin du T1 côté Votan. Fructueux, très. Je pense qu'ils préfèrent boire des bières. On n'a pas fait grand chose. Concrètement, on a un poil décalé ça pour être quand même en ligne de vue, mais quand même pouvoir éventuellement sauter au plus vite sur l'objectif si tu viens dessus. Ouais.
On a bougé l'Hécatone Fortress pour qu'elle soit encore à couvert de quasi toute ton armée, mais qu'elle puisse au tour prochain se débloquer des lignes de vue par-ci par-là. Le Sagittor c'est lui, quant à lui, décalé d'ici à là pour, pareil, avoir une petite ligne de vue dégagée sympa par ici sans être non plus trop visible. Les guerriers avec le Grimnir ont commencé à se déplacer par ici pour être à la fois sur l'objet et commencer à se dégager du décor pour avoir des lignes de vue pour les prochains tours. Et pour ce qui est de mon flanc droit, j'ai absolument pas bougé. Je vais vraiment, en fait, la stratégie, si c'en est une, je ne sais pas, est de te laisser clairement te projeter sur la map, parce qu'en fait, j'ai aucun intérêt à te donner en fait des cibles, puisque j'ai aucun objectif alléchant. Donc, j'ai préféré faire ce qu'on appelle le pleutre. Oui, mais pas, du coup, pas grand-chose. En vrai, je pense que c'est une bonne stratégie, dans le sens où, de toute façon, tu n'as pas de points marqués en t'avançant. Aucun intérêt à te donner des choses. Tu vas me donner des unités que je vais tuer, qui t'auront servi à rien. C'est ça. Et moi, comme je suis plus une armée de cac, de toute façon, c'est à moi de prendre des risques et de m'avancer. Complètement. Et aller te chercher. Donc, et en plus, tu as tes faibles qui arrivent après. Exactement. Tu as tout intérêt de les attendre. Tout à fait. Ouais. Donc, du coup, un fabuleux tour à 0 points. À savoir qu'à la fin de mon tour, je vais me défausser du capturer l'avant-poste ennemi parce que je vais absolument pas y aller. Donc ça va me faire en plus récupérer un petit PC, je passerai du coup à 2. Début du T1 côté Dark Angel. Déjà, je vais gagner un PC, donc je passe à 2 PC. Toi, tu étais à 2 PC. Et du coup, je passe à 3. Tu passes à 3. À savoir que comme je joue le magnifique, le grand, il est où? Il est ici, Samael. Non, pas Samael, Ézéchiel. C'est pareil, c'est deux frères en fait. Hein. Et... pas du tout. Du coup, il me fait gagner un PC au début de mon tour. Donc je suis à 3 PC. Ouais, moi je suis le roi du fluff, ouais. Mais je m'y connais un peu, hein, je touche un peu ma bille. Bon, concrètement, à ma phase de commandement, j'ai tiré mes cartes. J'ai tiré des bonnes cartes, les amis. Pour une fois, la chance semble, pour le moment, me sourire. J'ai tiré une cible tentante. Donc Félix doit choisir un objectif dans le No Man's Land à sortir un des trois ici. Et si je vais le chercher, je marquerai 5 points. Quel objectif as-tu choisi ? Celui-là. Très bien. Donc du coup, je vais aller là-dessus et je vais marquer 5 points. Il n'y a pas de souci, j'enverrai des choses mourir. Et ensuite, la deuxième carte, c'est Purification. Je dois faire une action de purifier. Je dois être éligible pour tirer pour le faire avec une unité sur un objectif. Voilà. Et si je le fais sur 2, je marque 5 points. Sur 1, 3 points. C'est honnêtement assez faisable. Sans trop se fouler, il y a des objectifs partout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour ma phase de commandement, à part le House of the Moment, où noterai mon accent anglais qui s'est amélioré. Hein. J'ai pas de cible réellement à ce tour-ci, à part les Katos ici, peut-être avec mon avion que je viendrai exposer, mais est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Je ne sais pas. Je vais quand même le prendre, on sait jamais. Je vais prendre ça, on sait jamais. Eh ben, on est parti pour ma phase de mouvement. Déjà, j'ai fait quelque chose plutôt pas mal. Déjà, une cible tentante. C'est rempli juste ici. À savoir que je n'ai pas Advance avec ça. Je vais expliquer pourquoi. Ensuite, pour la purification, et du coup, quand j'ai dit je vais expliquer pourquoi, j'allais le faire tout de suite, c'est pour ça que j'ai pas Advance. Voilà. Dans une question, on appelle une réponse, vous l'avez vu. Donc du coup, je purifie avec cette unité, elle va pas tirer, ça tombe bien, elle a pas d'unité visible. Donc c'est très bien. Ensuite ici, j'ai fait une jolie course à 6, donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui m'a permis de mettre un pied dans le jeu avec cet homme-ci, et je vais utiliser un stratagème qui me dit qu'en gros, ça change mes armes en assaut. Voilà, elle gagne l'aptitude assaut. Donc je suis éligible à tirer, mais j'ai pas de cible et de toute façon j'ai pas envie de tirer. Et donc je suis éligible pour faire l'action purifier. Ceci explique cela. Je vais donc pouvoir purifier ici et ici. On le sait déjà, Félix ne pourra rien faire pour empêcher cela. Tout autant qu'il ne pourra pas empêcher pour moi d'avoir pris la cible tentante. Donc pour mes cartes tactiques secondaires, c'est parfait, c'est fait. Maintenant, Félix a des FEP. Et attention les FEP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis avancé, mais pas trop. J'ai fait, en gros, pas mal de bulles anti-FEP. Ici, j'ai pas bougé parce que c'est ma grosse force. J'ai fait en sorte qu'il n'ait pas de visu dessus, peu importe où il débarque avec ses FEP. Ici, bah pareil, j'ai un peu avancé. J'ai mis deux gars dans le couvert, histoire d'avoir un peu plus de tankiness. Il garde l'objectif, bien évidemment. Lui se cache. Voilà, il avait envie de se cacher, tout en s'avançant un peu. Lui se cache à moitié, parce qu'il est un peu plus résistant, donc il craint un peu moins. Et ensuite, les motos, j'ai déjà parlé, et eux, bah eux, il faut qu'ils fassent leur vie, qu'ils avancent, donc ils ont couru, ils ont avancé. Finalement, en termes de létalité de ce qui va vraiment taper, j'ai que ici mon Dark Talon, qui va pouvoir mettre toute la sauce dans les Katos, la forteresse, et les petits tirs du Riken juste derrière, dans les Atrocog.
On va commencer par les petits tirs sur les atrocogs. Ouais, à savoir que, comme ça c'est dit, ouais. J'utiliserai un point de commandement pour utiliser bon, l'équivalence un petit peu du serment de l'instant. Du moins 1 pénétration d'armure ouais. du Space Marine, on a un peu la même chose en Votan. Donc du coup, je vais l'utiliser sur ma forteresse pour essayer de la préserver un petit peu. Ouais, vous nous avez copié. Quoi. Ouais, complètement. C'est pompé. Donc c'est je passe à 2 PC. Eh ben, je tire, on rappelle qu'il est sous serment de l'instant, ça sera pour les dire d'après. Ça, c'est pas sous le serment de l'instant, c'est 6 tirs parce que je suis à plus de 12 avec l'Hurricane. Ok, c'est du 3+, donc ça en fait 4. Et ensuite, c'est du... 5 plus. Force 4. Ouais, parce que je suis endurance 5 et 6 avec le Grimnir, mais ça on s'en fout, mais c'est 5 plus. Je suis twin. Eh ben écoute, tu en as 2, pas de PA. Allez, 2 petites saves sans PA, je suis partiellement invisible, donc ma 4 plus passe à 3 plus. Ouais. Eh ben ça me fait un petit mort. Hein. Bah oui, qu'est-ce que c'est? C'est quand même un gros avion qui tire dessus. Hein. Bah ouais, ça dégage. Pas n'importe quoi. Hein. Des 3 tirs de ce monsieur. Autant vous dire que c'est pas des tirs qui rigolent. Des 3 tirs plus 1. Allez, le petit 1. Ouais. Ça commence comme ça. J'adore ce jeu. 3 plus full reroll parce que serment. Oh, c'est pas beau. En plus, comme d'hab, mais full reroll. C'est partiellement beau. Ah, je sens que je vais te surprendre. Endurance 12. Force 16, 3 plus. Allez. Full reroll. Ah ben, serment l'instant a changé. Ah oui, plus de reroll à la blé. Plus de reroll attention. À la blé. Donc, du coup, bah, t'en as une. PA moins 4. Ma 2 plus passe à 6+, mais vu que j'ai mis le petit stratagème, du coup, ça serait une sauvegarde à 5. Oh là là. Je suis très fier de... C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Non, mais tu vas voir que... voilà, vous l'avez vu, j'ai fait un 6, je n'en ferai plus de la partie. Bah, t'as utilisé un stratagème pour rien. Voilà. Il faut trouver du réconfort là, on peut. Hein, tu sais, Bon, bah, très bien. J'aime bien ce volant. Il est très bien. Il est fort, hein. Il est fort, un peu, je trouve... Un poil fort, tu vois. C'est pour ça que personne ne les joue, c'est trop fort. Je m'excuse de le sortir, hein. Franchement, honnêtement. Mais bon. Bon, par contre, tu scores là. 5 points pour purifier, et je vais scorer 5 points pour une cible tentante. Je vais donc être à 10 points. Oui, c'est bien ça. 5 plus 5. Et puis, on va pouvoir passer au T2 parce que j'ai rien de plus à faire. Hein. Pour l'instant, on est assez tranquille. Si on peut aller comme ça toute la game, même, ça me ferait extrêmement plaisir. Ouais, on va. Début du T2 côté Votan. Félix, quelles sont les cartes que tu as piochées, s'il te plaît? Est-ce que tu as eu de la chance cette fois? Oui. Alors, moi, j'avais déjà Assassinat, qui consiste toujours à tuer des personnages. Et j'ai, en plus de ça, inspecté les signaux, qui est plutôt pas mal, puisqu'il faut être entièrement à 9 pas d'un angle du champ de bataille pour pouvoir marquer des points. Et j'ai des unités qui sont quasiment déjà dans les angles du champ de bataille. Donc ça, c'est pas mal. Ah oui, tu joues tellement en retrait. Que, exactement. Comme quoi, que tu n'as pas le droit de sortir de la table, hein, vers toi. Ouais, c'est malheureux, ça, d'ailleurs. Mais bon, on va essayer de se sortir les doigts, parce que là, clairement... mon adversaire a fait ce que je pensais qu'il allait faire de toute façon, c'est-à-dire qu'il s'est étendu sur la map. Donc là, maintenant, mon but à moi, ça va être de le repousser partout où il est, c'est-à-dire sur les objectifs pour l'empêcher de scorer. Donc, on va essayer de faire ça. Et puis, si tu n'as rien à dire pour ta phase de commandement, je te propose que je déplace mes figurines. Moi, j'ai rien à dire, mais ma phase de commandement. Je tiens à souligner, j'espère que vous avez bien entendu, Félix vient de dire que j'étais un pro-gamer. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Ouais, de ouf. C'est vraiment ça. Hein. Bah écoute, vas-y. Écoute. Allez, c'est parti. Phase. Ah, si, petite chose quand même à noter à ta phase de commandement, c'est que tu n'as scoré rien en primaire, oui. À part oui. Celui. 5 points, oui. Exactement. Je mets 5 points de primaire à ma phase de co parce que j'ai l'objectif qui est chez WAB. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? J'ai pas bougé cette unité-là de Bézère puisqu'il me permet d'être à moins de 9 pas de l'angle du champ de bataille et de faire l'objectif inspecter les signaux. De même de l'autre côté avec le champion qui est dans l'angle, les guerriers qui sont à côté n'ont pas bougé. Ce qui a été le plus important, c'est d'avoir fait débarquer nos trois petits Votan de tir avec leurs armes anti-véhicules pour qu'ils puissent se dégager une ligne de vue sur le Dreadnought ou éventuellement tirer dans les motos si on n'a pas réussi à suffisamment lever de moto avec l'Hécatombe Fortress ainsi que le Sagittor qu'on a déplacé, qu'on a mis sur l'objectif, ce qui est pas mal puisque j'ai des petits mecs à l'intérieur, ce qui fait que même si je meurs, bah, mes mecs pourront débarquer derrière. Donc ça veut dire qu'il va vraiment devoir venir me chercher s'il veut vraiment m'enlever de cet objectif. En plus de ça, mon champion qui était planqué à la base derrière ce bloquant est venu se planquer derrière ce bloquant en faisant une petite advance. Mes 20 guerriers Votan, 19 puisqu'il y a eu un mort, plus le Grimnir se sont avancés de manière à se dégager des lignes de vue sur les motos ou éventuellement sur l'avion, à voir. Et c'est à peu près tout pour ma phase de mouvement, à savoir que le plus important, c'est que, de une, le champion s'est décalé pour quand même être pile
poil à portée de cet objectif-là pour pouvoir le conserver, tout en étant à couvert, et voire hors ligne de vue. Et surtout, on a fait débarquer notre pack de 10 Terminators avec le cal, et on va essayer de tout mettre, salade, tomate, oignon, dans cette escouade-là pour l'enlever de l'objectif. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que derrière, on va devoir se prendre la foudre des motos. Tout doux. Pour enlever l'objectif, je te trouve trop confiant. Hein. je suis un peu confiant. Ça va pas se passer comme ça. non, mais j'essaye de forcer le destin, tu vois. C'est tout pour moi, c'est tout pour ma phase de mouvement. Ok, à savoir que tu n'as pas tout ramené de FEP et qu'il te reste encore les motos. Et 5 thermis. Et 5 thermis. Enfin, thermis. Earthskin. Ouais. Wow. C'est parti pour la phase de tir. Mes Terminators qui sont ici, grâce à un stratagème qui coûte 1 point de commandement, qui va leur permettre en fait de gagner la capacité Sustained Hit, touche soutenue, qui sur des 6 vont me permettre de faire des touches supplémentaires. En plus de ça, ils sont accompagnés d'un cal qui va leur permettre d'avoir Lethal Hit, donc c'est-à-dire le fait de blesser automatiquement sur des 6. Et en plus de ça, leur arme leur permet d'avoir Devastating Wounds qui va faire de la blessure directe sur des 6 à la blessure. Donc on a 30 tirs, par contre, je vais vous faire 3 salves de 10, sinon c'est impinable. Tu peux réexpliquer, j'ai pas écouté. Alors, je vais tirer, je vais te casser la gueule. Voilà, pardon. Vas-y. C'est sur du 2+. Ah ouais, toi, t'es précis, toi. T'es pas quelqu'un, toi, c'est... Ouais, double 6. On va avoir donc 2 blessures automatiques. Et surtout, 2 touches en plus, puisque c'est aussi Sustained Hit. Les blessures, c'est de la force 5 sur le long du 4. Ouais. Tu n'as pas de token de jugement, donc ça sera sur du 3+. À savoir que tous les 6 seront de la blessure directe. Tu as 7 blessures normales, ainsi que 2 blessures mortelles. Ok, vas-y, continue. Allez, on recommence. Encore 10 tirs sur du 2+, avec 2 qui touchent auto, et qui blessent automatique et qui me rajoutent 2 touches. On a tout réussi. C'est toujours de la force 5 sur de l'an du moins, donc toujours sur du 3+. On va avoir 2 blessures dévastatrices, donc des blessures directes, et 2 normales supplémentaires. Que 2 ? En plus des 2 autres, pardon. Donc 4. 4 normales et 2 automatiques. On est à 11 et 4 pour moi. Et la dernière salve, il y a tout qui passe avec 1 touche en plus et 1 blesse automatique, donc la touche en plus. Hop. Et là maintenant, c'est sur du 3 avec des 6. Oui, encore 2 blessures directes en débat. Aïe, aïe, aïe. Et 4 blessures encore. Donc au total, 16 save à faire et 6 qui ne sont pas à faire. T'enlèves des points de vie directement. Ouais. Voilà, donc j'ai déjà 3 morts, c'est très bien. Alors, à savoir que j'en ai 5 qui sont à couvert, je vais donc commencer par 10 save. Ouais, tu peux les faire 10 par 10 puisque c'est un point de vie à chaque fois. Et comme t'as pas de PH, je suis en 2+. Ouais. Pas de 1. Oui, merci. Bah, Félix, t'as fait un PV. C'est pas mal. J'adore ce jeu. Attends, j'en ai encore 6 à lancer. Bon, là, je pense que je peux le faire. C'est toujours du 2+. Un PV sur les saves normales. Ce troll. Et ensuite, tu t'en prends 6 normales. Donc, ça fait 7. Tu m'as tué 3 mecs et un PV. C'est ça. C'est fort. Hein. C'est... je vais enlever mes pertes. Bon, ils ont encore des petits tirs de lance-grenade. C'est des 6 tirs, on va les faire en off et on nous dira combien de save il me reste à faire une fois qu'il a fait tous les salades de tomates oignons parce que là... ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vendu. C'est parti pour les saves, donc il a tout tiré, il a fait ses millions de tirs. C'est toutes les saves que je dois faire après tous les jets de dés. C'est sur 2+. voilà. Pourquoi je joue encore à ce jeu? C'est incroyable! Ah bah là, c'est pas toi, c'est moi! Ouais, c'est vrai! Mais je t'avais dit que t'étais trop confiant! Te sentais trop confiant, moi! Je sens que le cal va finir le travail parce qu'il est beaucoup trop chaud. Montre-nous ce qu'il va faire. Donc 3 tirs, il a la même arme que les Terminators, donc 3 tirs sur du 2+. Wow, c'est incroyable, c'est de la force 5 sur de l'an du moins, c'est sur du 3+. Wow, c'est incroyable, pas de 6, donc paire moins 1 pour un dégât à chaque fois. Ouais, bon, allez, je rentre chez moi, je viens à Paris, je me fais sabater. Non, mais ça va pas du tout. Hein. Ok, c'était la phase de tir des Terminators. J'adore ce jeu. A noter que Félix, dans sa grandeur et son âme charitable, m'a notifié que c'était pas très intelligent d'enlever la fille de Onisi, ce qui est totalement vrai. Mais comme j'étais bluffé par ses jets de dés, j'ai perdu mes esprits, je savais plus jouer au jeu et j'ai enlevé la seule fille qui tenait l'objet. Voilà, bien évidemment, je l'enlève pas, hein, j'ai donc enlevé un autre péon qui était là-bas. Je ne dirai plus jamais rien à ce mec. Bah, je suis sympa. Et maintenant, on passe au vrai tir. Ouais, c'est parti. On envoie le Sagittor qui va tout tirer dans les motos.
On va essayer d'être un petit peu plus chanceux. On va tirer avec le beam. À savoir que moi, en Stormlance, j'ai un stratagème qui dit si je suis monté, je peux te mettre moins un hit, moins un bless, que je vais utiliser comme ça. C'est comme si tu n'avais pas de token. Ça, c'est réglé. Ça me coûte un PC. Et deuxième PC, Armure of Contain. Voilà. Comme ça, j'ai une bonne save. Je saurais pas dire plus. Puis tu me refais la même chose que les Terminators. Et comme oui, ça, oui, on va voir. On va voir. Allez, 4 plus. Même 3 plus, ça aurait pas été. J'aime pas ce jeu. J'aime plus ce jeu. C'est quand même cool. Ok, d'avoir. On va faire les 3 tirs de Twin Bolt. C'est incroyable, les gars, parce que j'ai testé le Votan sur les 3 dernières parties que je n'ai pas filmées. Il a poutré. J'ai fait tout des carnages. Et là, bien évidemment, on sort la caméra. Et puis voilà ce qui se passe. Ah, bon, là, là. Allez. Et c'est ça que ça fait de jouer contre quelqu'un qui n'a pas de chat. Mais en fait, c'est trop plaisant de jouer contre génial, moi. Hein, c'est génial. Ça m'arrive moi, jamais. Moi, je me tue toujours. Normalement, ouais. C'est moi qui est à ta place. Si vous m'invitez, je reviens quand vous voulez. Ah, bah là, je t'invite. Hein. Ouais. Allez, 4 plus pour les tirs de pas terrible. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est une arme pas terrible. C'est le Twin Bolt Cannon qui est sustained 1, mais on s'en fout, qui est force 6, perd moins 1, dégâts 2. Donc force 6, endurance 6, 4 plus, mais 3 plus parce que j'ai le token de jugement, mais 4 plus parce que tu m'as mis moins 1. Je te crois. Voilà. Allez. Ça fait. En plus, c'était relançable, mais c'est PA moins 1 pour 2 dégâts. Moins 1 de base, sans compter. Moins 1 de base, donc ouais, t'as 2 plus. Pour, ouais. Voilà. Est-ce que tu veux que je te dise plus, je peux pas le rater. Oui, oui, oui. Bah, écoute. Est-ce qu'on passerait pas à ta phase de tir, Félix? On recommence. Bon, on va faire les Catan Fortress et on va directement passer au plat de résistance parce que ça, c'est un tir. Mais alors, si celui-là, il passe, il est beau. Mais il faut qu'il passe. Ouais. Parce que normalement, c'est sur du 4+, mais du 3+, mais re du 4+, parce que tu m'as mis moins 1. J'ai tellement entendu ça. Ouf, ok, il oui, faut ouf, blesser après. Tu peux faire un. Hein. Bon, par contre, c'est force 18. Oui, moi je pense que donc, ça doit être du 2 plus. C'est du 2 plus. Et là, si. Ah, dommage, il manquait le 1 pour un petit 6 et faire des Vaound. Donc, Armor of Contain, tu deviens PA moins 3. Exact. Moi, je suis en 2 plus parce que je suis à couvert. 5 plus. Ça suffit de faire ce que tu viens de faire. Il y a un peu de justice dans ce monde. Tu enlèves une moto parce que c'est des 6. Ah, et je suis obligé d'enlever celle qui est à couvert parce que j'ai utilisé le fait de dire que je tankais sur elle. Complètement. Il n'a pas fini de tirer parce qu'il a 2 Twin Bolt Cannon. Bah, toujours dans la même cible de toute façon. J'ai toujours éclairé dans la même cible. C'est sur du 4+. Félix, va falloir un moment que ouais, tu te que sortes tu, les doigts. Hein. Tu tires avec la forteresse, là. Oui. Ouais. T'es ignore cover. Je suis. Ah, j'ai fini en cover. Ça change rien. Oui, là, ça aurait rien changé. Allez, force 6, endu 6, donc 4 plus, mais 3 plus, parce que plus 1, mais moins 1, donc 4 plus. Ouais. Ça tire. Ça en fait une PA moins 1 pour 2 dégâts. Bah, PA moins 1, bah 3 plus, du coup. Non, 4 plus, du coup. Mais ça passe. Ouais. Bah, non, parce que Armor of Contempt. Ah oui, Armor of Contempt. Ah ouais, exact. Mais suis, Félix. Ouais, j'étais resté sur le couvert. J'ai juste utilisé 2 stratas différentes, t'as juste 2 bonus de plus 1. Plus 1 était plus 1 bless, j'ai juste mis moins 1 et moins 1 bless avec un PA moins 1 et je suis à couvert, mais t'es ignore cover. Qu'est-ce que tout s'annule, c'est des maths. Oui, qu'est-ce que tu veux, que puis-je dire d'autre? Il me semble qu'il a une dernière arme qui fait 6 tirs sur du 4 plus, mais du 3 plus, mais du 4 plus. Bon, bref, on va arrêter de se répéter. Force 7, donc 3 plus, 2 plus parce que j'ai plus 1, mais moins 1, 3 plus. Normal quoi. Moins 1, donc je suis en 3 plus. 3 plus. Bah voilà. 2 par 2, donc ça te fait 4 dégâts. Ça fait une moto. On enchaîne avec cette escouade de guerriers dont le petit psyker qui est ici va tirer dans les motos ainsi que le canon rail qui est derrière. Tout le reste de l'unité tirera dans le volant puisque soit elle ne voit pas les motos, soit elle n'est plus à portée. Donc on va commencer par le Grimnir qui va bien évidemment surcharger son pouvoir psy et faire un énorme kamehameha de 6 tirs. C'est sur du 2+, c'est de la force 6, il me semble. Oui, sur de l'endu 6, c'est du 4+, mais du 3+, parce que j'ai plus 1, mais tu me remets moins 1. Donc, ah non, en fait, il n'y a plus. C'est pendant toute la phase, oui. T'es juste normal. Je suis en 4+, quoi. Et ça te fait donc 3 sauvegardes à pénétration d'armure de moins 2, pour des 3 dégâts à chaque fois. Donc, moins 1 avec armure of contain, et donc du coup, je passe en 4+, parce que j'ai des dégâts. La première va se prendre des 3, elle s'en prendra 1. La deuxième, bon... Ça s'en prendra 3, donc ça fait une moto qui met derrière. Est-ce que je me prends de la blessure mortelle derrière puisque j'ai surchauffé? Non. Et le canon rail, c'est une arme qui tire à 5+, mais 4+, parce que j'ai plus 1, mais re, moins 1, parce que tu m'as mis moins 1, donc c'est sur du 5+. On va faire tout le reste des tirs, ce que je te propose, qu'on les fasse hors cam, il y en a beaucoup. Ouais, ouais, les parce que de toute façon, ça va aller dans le volant, c'est pas des tirs majeurs. Et puis on l'a vu, tu vas rien faire. Filmer ça, les gens, ils veulent voir du spectacle, ils veulent pas des balles qui rebondissent. C'est parce qu'ils ont mis les balles en caoutchouc.
Ils n'ont rien compris. Je te fais mon sourire le plus non sincère. On a fini les petits tirs sur mon petit avion, mon Dark Talon, comme prévu. Incroyable. Il l'a laissé sur le champ de bataille, mais en fait, il n'est plus là. Voilà. Donc, comme je un point de vie, c'est ça? C'est pas les PV restants. Hein, on est d'accord. On va terminer avec cette escouade-là. Ouais, elle me fait peur, celle-là. Les deux qui voient la moto vont tirer dans la moto. Celui qui ne la voit pas va tirer dans le volant. On est sur des armes spécialisées dans les tueries de véhicules. La moto n'en est pas une, ce qui est bien dommage. Des 6 tirs dans le volant. Ouais. 2 tirs sur du 4+. Anti-véhicule de plus. Et ben voilà, ça te fait une pénétration d'armure de moins 2 pour 2 dégâts. Bah c'est rien ça, moins 2. Ouais, mm-hmm. C'est du 5. Ouais. Voilà, t'as trop parlé. Dans le chaplain, c'est 2 des 6 tirs. Ouais. Ah là, je préfère, ça fait 10 tirs. 4 plus, mais 3 plus, mais re 4 plus parce que tu m'as mis moins 1. Ouais, en normal. Ça c'est. Alors j'ai envie de te dire, heureusement que je suis pas Devastating Wounds. T'es force combien? Je suis force 5. Ah, 4 plus. Ouais, mais 3 plus. Mais 4 plus, plus. Parce que tu m'as. Oh là là. Qui est embêtant ce. 1, 2, 3, 4. 4. Ça peut suffire, hein. Bah, tu t'es dégâts d'eau. Tu es invulnérable à 4, donc il faut que tu réussisses. Il a combien de points de vie, le garçon? 5. 5, donc il faut que tu réussisses au moins 2. Ouais. La première? La deuxième? Arrête ça. Ah, j'en ai marre. Ah, ok. Ah, mais non, mais okay. Ouais, mais... Ils sont comme moi, ils ont enlevé leurs lunettes. Je vais pouvoir charger ici avec lui. Ouais. Ici avec eux. Ouais. Bah vas-y, je t'en prie, commence avec lui. On commence avec lui. Ouais. À savoir qu'on a tout mis bloquant sur le champ de bataille, les amis, et que certains décors ne sont pas en forme de L. Est-ce que c'est une ruine? Tu me l'as dit tout à l'heure. Tout est ruine. Tout est ruine. Ça veut dire que je peux tracer tout droit à travers. Tout droit, ouais. Eh bien, du moment que ton socle te permet, ton mouvement te permet de sortir des. Forcément. Eh oui. Eh oui. Bah écoute, je vais pas m'en plaindre. Oh là 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 là. Je vais pas m'en plaindre du tout. Les Terminators, bah à 9 pas. Bon, celle-ci, les gars. Non. Oh, 8. Franchement, ton speed. Je vais la relancer pour un point de commandement. Je suis obligé de la relancer, celle-ci. Je vais prendre d'autres dés parce que je suis superstitieux. En plus d'être super tout court. Ah ouais. Ils sont efficaces, tes autres dés. Bon, bah je crois que c'est une charge ratée. Hein. On est parti pour la charge bulldozer de exactement. Cet homme. Exactement. Du 2 à 5, des 3 mortels, sur du 6, des 3 plus 3. Ok, pardon. 6 mortels, voilà. Bah, je suis mort. Là, 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 là. Bah, voilà, je suis mort. Voilà. AK dans ta tronche. T'auras réussi. Ouais. Et du coup, t'as même pas besoin de faire une phase de 4. J'aurais réussi, les gars. Vous savez ce que ça va me rapporter? Absolument rien, puisque de toute façon, il va avoir 2 objectifs et marquer donc ses 10 points. Fin de ton tour. C'est la fin de mon tour. En termes de cartes, qu'est-ce que tu as scoré? En termes de cartes, j'ai scoré, inspecté les signaux dans 2 cartes de table différents. Ouais. Donc, ce qui veut dire que je vais marquer pour chaque angle de table. Bah, ici, voilà. Et ici, je vais marquer pour chaque angle 2 points. Donc, je vais marquer au total 4 points, ce qui est incroyable. En plus de mes 5 points au début de mon tour, ce qui fait que je suis en total de 9 points à mon tour 2. Et tu sais quoi? Et non. Assassinat. Je vais même mettre un petit assassinat. Et il me semble bien que c'est 5 points. C'est 5 points. Incroyable. C'est beaucoup. Incroyable. Eh ouais. Donc du coup, ça te monte à 14. 14 points. Début du T2 côté Dark Angel. Bon, écoutez, déjà, je vais regagner un PC plus 1 grâce à Asrael. Tu vas marquer 10 points de primaire. Tu contrôles voilà. L'objectif ici et celui chez toi. Exactement. Toi, tu vas avoir un point de... un PC supplémentaire, ouais. Pardon. Ce qui te monte donc cachement. Je passe à 2. Je passe à 2, ok. Et moi, 3, comme je disais. Et surtout, j'ai pioché les cartes et là... Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est l'aura de Félix qui me permet de piocher des cartes intéressantes. J'ai chopé Assassinat. Voilà. Je pense que la caméra suffit à répondre. D'ailleurs, hein, même lui, voilà, peut-être. Je sais toujours pas qui c'est cette Laura, mais je l'aime pas. Je l'aime pas du tout, quoi. Mais elle, elle t'aime bien. Ouais, quoi. Apparemment, ouais. Peut-être un truc à faire, Félix. Et après, j'ai chopé Force Écrasante. Et en fait, il faut que je tue des unités adverses qui contrôlent un objectif avant, enfin, à mon tour. Donc, en l'occurrence, par exemple, le Sagittor ou, encore une fois, ce mec-là. Donc, tout porte à dire qu'en gros, ce mec-là, il faut que je le défonce. Bah, écoutez, moi, je dis pas non. Hein. C'est facile, c'est très faisable. Et ça me demande à être létal à un T2 là où, en fait, on a envie d'être létal. Donc, c'est parfait. Ah, là, il faut, là. À part le House of the Moment, le serment. Je vais dire serment parce qu'en anglais... Serment de l'instant.
On va le prendre ici. Fin de la phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti les motards. Hein. Les motards, ils se baladent, ils ont vu des Terminators arriver, donc ils se sont dit qu'on va aller frapper ça. Donc, très concrètement, lui, il conserve l'objet ici, s'est mis le plus haut en retrait possible, mais quand même à 3 de l'objet. Eux se sont avancés, ils ont couru, ils ne pourront pas tirer, mais ils se sont rapprochés le plus parce que, au cas où j'ai pas tout tué au tir, ce qui peut fortement arriver parce que c'est une unité très résistante, je tenterai une charge avec eux et j'irai les voir au cac, leur dire bonjour. Ça se tient. Eux sont sortis, ils sont pas optimales en termes de tir, mais ils sont ok. Donc voilà, ils sont là. De toute façon, ils ont fait une advance à 1, à vrai dire. J'ai pas voulu relancer le dé ou utiliser un stratagème. Je garde mes PC, on sait jamais, c'est encore précieux. Surtout qu'en fait, faut savoir que comme j'ai de l'avance en points, j'ai pas besoin de courir. Il faut que je garde des ressources et des PC parce que. En fait, c'est mieux de pouvoir réagir tout en conservant une avance en points, ce que j'ai. J'ai pas besoin de courir après les points. Je peux laisser Félix y aller et prendre lui des risques. Et moi, à noter tout de même que je ne suis pas à 2 PC, mais à 1 PC parce que la relance de commandement coûte 2 points sur cette partie. Et donc, ma relance de la charge de tout à l'heure a coûté donc 2 points. Faites bien attention à ça si vous jouez cette règle. Bien vu, bien vu. Eux, pareil, ils sont en appui, ils restent là, ils contrôlent l'objet. J'ai sorti lui pour qu'il prenne une ligne de vue sur ça et qu'il prenne l'objet juste ici, enfin qu'il conserve tout du moins. Lui, il n'a pas bougé, comme ça, il ne peut pas se faire tirer dessus en retour parce que quand même, eux sont anti-véhicules, on le rappelle. Hein, et il va tout mettre dans eux, très certainement au tir. Et eux ont couru pour aller boxer avec des épées. Je sais pas, ils vous expliqueront comment ils font ça. Et ils vont boxer avec des épées. On commence avec la plus belle figurine de toute la gamme SM, à savoir le Land Speeder. Storm, maintenant je sais plus trop comment il l'appelle. Speeder Storm Hammer Strike. Voilà. Bon, c'est celui qui, en grosso modo, quand il tire, permet d'enlever le couvert. C'est pas pour ça qu'on tire là tout de suite. C'est surtout qu'il y a des grosses armes avec de la force patate. Force 9, pour l'occurrence. Toi, t'es en du 10. Exactement. On dirait pas comme ça. Hein. Et ouais. Hein. Une petite carapace. Petit mais costaud. Petit mais costaud. Je vais tout mettre dedans et puis on va voir un peu ce qu'on va faire. C'est du 3+. C'est du force 9, comme je l'ai dit, donc c'est du 5+, pas mal. C'est très bien. PA moins 3, dégâts des 6. Et bien très bien, la 3+, passe à 6+. Ouais. Oh là là. Des 6, et là le petit 6. Voilà. C'est bien ça. Un point. Très bien. Deuxième attaque du Storm Speeder. Donc là, c'est les Kraken Storm Grenade Launcher. Voilà, il en a 2, donc du coup, c'est 2 tirs, c'est en 3+. Oh. Force 9. Ok, une PA moins 1. Allez, ma 3+, passe à 4. T3. Ouais. 3. Eh bien, très bien, j'en perds 4 au total. C'est pas mal, mais attends, c'est pas fini, parce que maintenant, j'ai le Melta, et c'est ce qui fait peut-être le plus mal en 3+. 2. En 5+, parce que c'est force 9. 1. Je suis bon. PA-4. C'est pas beau. C'est pas beau. Décide, les gars, on refait pas 1. 2. Bon, je monte petit à petit. Je serai bientôt à 6. Ouais. Bon, on a fait 6 PV. Il ne reste plus que 3. C'est parti avec les tirs de plasma de ces magnifiques motos, les chevaliers de la Ravenwing. Tout dans les Terminators, il est à plus de 9. Donc, j'aurai pas le Rapid Fire 1. Je vais avoir 2 tirs par moto. C'est du 3+. Je rappelle que tu es sous serment. Ouais, mais si j'ai envie de mentir, je mens. J'ai pas levé la main droite. C'est pas beau. C'est beau. C'est pas beau. C'est très très beau. Tu surcharges bien évidemment. Ah oui, non mais je suis en pleine surcharge là, ça se voit pas. C'est parti du force 8. Ouais, en du 6. Et comme je suis supérieur, j'ai moins 1 plus. Tu as moins 1, exact. Ouais. Donc du coup, exact. Je suis en 4 plus. Ouais. Et bah écoute, cette sauvegarde invulnérable grâce au cal. Ouais. Enfin, à l'équipement du cal. Ah bah c'est pas mal, on prend 2. 2 morts dans le pack ici, et ensuite, maintenant Samael. Samael qui va tirer, à savoir que lui, c'est un méga shad, il fait des 3 tirs. C'est bien. De plus. C'est bien. Reroll parce que, sincèrement, le 3 fois 1, j'aurais bien aimé. Hein. Il a du mal. 4 plus, voilà. Merci Samael, merci. Force personnelle. Ouais, mais c'est pas fini, puisqu'il a le Twin Bolt. Comme il a moins de 12, c'est 4 tirs. De plus. Serment. Ouais. Force 4, malheureusement, donc c'est du 5+. Voilà, ça c'est bien. C'est full reroll des blesses, autant pour moi. Ah, c'est Twin Link. Ouais. Ah, et une. Et pas de paiement. Et voilà. Ça t'apprendra. Un dégât, c'est ça? Un dégât, oui, c'est nul. Fait. C'est nul. C'est très beau. C'est tellement c'est nul. Beau. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, est-ce que j'explose? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, Samuel, il n'a pas de plasma.
Oh. Le plasma, c'est dangereux, Félix. N'utilisez pas ça chez vous. Ouais. Déconne pas, hein. Ça fait 3 morts. Ah, les accidents domestiques, ça arrive. D'accord. Ça arrive vite. Ok, c'est parti. On passe au Dreadnought Redemptor qui va tout mettre dans les petits mecs ici. Il a cramé. Qui était dangereux pour lui, et lui, il aime pas ce qui est dangereux pour lui. Donc c'est des 6 tirs, je surcharge encore. On n'apprend pas de ses erreurs, ici. Avec le macro incinérateur à plasma, des 6 tirs plus 1. 2 tirs en 3 plus. Pardon. C'est mérité. Force 9, donc 1. 3 plus pour me blesser, ouais. Donc, PA-4, dégâts 3. Donc j'ai un mort. T'as un mort cash. Instant, quoi. Eh ben, le Icarus Rocket Pod. Allez. C'est des 3 tirs. C'est anti-fly. Tu voles ou pas? Ouais, à fond. D'accord. En fait, ils sont sur des échasses, donc c'est un peu comme s'ils volaient. Bah, c'est vrai, ça. 3 plus. Bah, voilà, après, ça touche bien. Force. 8. Endurance 6. 3 plus. Une seule. PA moins 1 dégâts 2. 2 dégâts. Ouais, il me reste un point de vie sur les petits gars. Là, Oslo Gatling en 3 plus, c'est du Deva Wound. Exactement. Bon, pour l'instant, les Vaoun, ça sera pas ici. C'est en 3 oui. plus. C'est en 3 plus et c'est de la force, il me semble, 6 sur le land du 6. Donc on est sur du 4 plus. C'est force 5. Force 5, 5 ouais. plus alors. Bon, bah, 2 des Vaoun. Oh comme ça. Moi, je te le tue et je mets un PV. Ouais, bravo. Ça s'appelle comment, Léon Stéton? Titan Lance. Non, je pense pas. Ah oui, c'est les Twin Grenades. Ok, c'est de la merde. Donc, des 6 tirs. 3. Ok. 3 plus, putain, je suis obligé de. Voilà, ah, voilà. C'est beau. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est du téton. Non, mais ça, c'est du téton. Est-ce que je pète avec l'incinérateur? Ouais, il sera il est capable de tout, lui. Hein. T'arrives même pas à tuer 3 mecs. Toi, t'es plus embauché. Hein. Terminé. Hein. Ok, très bien. Bah, il y a un mec qui va perdre sa carrière de Dreadnought. Alors, eux ne peuvent pas tirer parce qu'ils ont couru. Ouais. Ici, ils pouvaient parce qu'il y avait dedans Samael. Lui ne voit personne. Eux, ils ont couru donc ils peuvent pas tirer, donc on va passer à mes tirs ici, ça sera mes derniers tirs. Le chaplain va désigner cette unité pour dire que, en gros, mes tirs seront en Deva Wound dessus, c'est son habilité particulière. Je vais commencer avec le Melta de ce gros, je sais plus comment ça s'appelle, Invader. Quad Invader. Invader. Très bien. Donc c'est, du coup, c'est du plasma, c'est 2 tirs. Sur le fuseur. Ouais, c'est du fuseur plutôt, ouais. Cette fois, on pète pas. Sur du 3. Reroll. Okay. Ah, oui. Sur du 3+, force 9. 3 plus pour me blesser. 4 plus parce que c'est au-dessus et du coup j'ai moins 1. Ah oui, exact. Non, pas. Oui, tout à fait. Tout mais à du fait. Coup, j'ai fait bien 4. Bien vu, bien ouais. J'ai une sauvegarde invulnérable à 4. Ouais, vas-y. Les motos, c'est 2 tirs par tête. C'est du 3 plus. Full reroll. Ok, du 6. Et là, c'est des Vavoun et je suis twin. Donc du coup, le but est relançable de chercher. Et de chercher des 6. Ouais. Ouais, tu gardes pas ton. Ah non, mais moi je. Ouais, non. C'était pas. Pas mal, hein. On est parti pour le tir de mon superbe avion qui va, ma foi, il va tout mettre dans les catons, hein. Voilà, hein. Ah, quoique, non, en vrai, il va mettre les hurricanes là-dedans, il va mettre le reste là-dedans. C'est pas bête. Donc les hurricanes, c'est 12 tirs, je crois 2 fois, ça, c'est pas très grave. C'est du 3+, tac, 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 c'est bon. C'est du force 4, bon, bah écoute, en du 6. Tu peux y aller sur les 6, et c'est twin, bien. Donc en plus de ça. Ah bah oui. Ok, attends, je te refais. Pour l'instant, t'en as 4. Ok. Ah oui, il y a la deuxième salve. Ouais, c'est ça. 3 plus. Oh. Twin. Oh. Ah là. Et ça fait 8 saves. Ouais. J'y crois pas. 8 saves, je suis absolument pas partiellement visible, donc 3 plus. Ben, il est mort. Et ben, il est mort. Et ça, c'est cool. Tu te reprends un token de jugement. C'est vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. Mais avant ça, je vais tirer. Avec le reste de l'arme sur les Katos. Des 3 tirs, c'est parti, réveille-toi, petit. Voilà. 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 Du 3 plus. Ouais, 3 plus pour me blesser. Force supérieure à mon endurance, c'est pas mal. Laisse tomber. C'est vraiment un botan qui le conduit, hein. C'est pas possible. Force 16, ok. Je vais pas tirer sur mon pote. Une, PA moins 4, dégâts 3. 2 plus passe à 6 plus. Dégâts combien tu as dit? 3. 3. Donc ma 14 passe à 11. Très bien. Et on va passer à la phase de charge. A noter que à ma phase de mouvement, lui, il a survolé eux d'un tout petit peu. Et du coup, j'ai une habilité une fois par partie qui dit qu'en gros, sur un D6, il y a des effets. Je vais lancer le D6 comme ça, c'est plus simple de vous expliquer. C'est cassé. Faire au-dessus de 4, oui. Donc du coup, globalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne pourra plus bouger avec cette unité-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plus de mouvement sur la table. Il pourra quand même charger. Ok. Et en plus de ça, il va prendre des 3 BM.
3 BN. Ah oui, quand même. T'as 3 FNP. Un sensible, infiltration. Infiltration à la douleur. Infiltration, ça fait 3 morts. 3 morts. Et ça pourra pas bouger jusqu'à ma prochaine phase de mouvement, c'est cool. On passe donc à la phase de charge. Première charge hyper importante, mais de toute façon elle est un peu auto, c'est ici. Ils vont charger le petit mec. Le petit mec, on va pas déconner. 6, je la garde, je ferai le mouvement hors cam. Ici, on va faire une charge avec eux là-dedans. 11, je ferai le déplacement hors cam. Ils font le tour du pâté de maison, ils reviennent voilà. Pour la charge. Ok, on commence à taper dans les règles de l'art. Ici, je suis substanite 1 grâce à Azrael. Et je suis létalite 1 grâce au lieutenant qu'il y a dedans. Je commence par tous les péons, à savoir que j'ai la reroll des 1 pour blesser, parce que t'es pas sur un autre jeu, je l'ai pas entièrement. Et comme t'es sous serment, j'ai la reroll pour toucher. Donc on va chercher du 6 et on dit adieu à ton unité. C'est oui, bah, j'ai dit la même chose, moi aussi j'avais l'étal I, tout ça, machin. Et... Voilà. Oui, mais en fait, parce que tu l'as pas, t'y as pas cru. Ah, je vais t'aider un peu, tu me fais de la peine. Merci. C'est quoi, je fous reroll. Il y en a 4 qui vont blesser automatiquement. Ouais, déjà, je fous reroll. Moi je m'en fous. C'est d'accord, chouette. T'es ce genre de. Ah, ouais, non, moi je m'en fous, je cherche. Et sustained it. Ouais. D'accord, donc il y en a 4 touches en plus. Donc je te laisse enlever ce qui a blessé et tu vas pouvoir en rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est dû à 5 plus. Reroll des 1. Et qu'un seul 1, ça fait plaisir. Donc ça fait 10, 12. Moins 1. Ouais, mais 1 moins 1, pardon. Oui, non, je t'en rends 2 plus passe à 3 plus. 1, 2. Moi je t'ai fait un mort. Tu m'as fait un mort. 6 attaques d'Azrael. Bon, frérot. Fais des efforts, s'il te plaît. Reroll. Ouais, forcément. Ouais. De plus, il touche à 2. Ouais, mais ça me fait chier. Oh, j'aurais cherché du 6, mais bon, on va rester sur le 2+. Ok, j'ai un 6. Donc ça fait une touche et un létalite. Une blesse automatique. Ouais, force 6 PA. Tour de l'angle. Moins 6. 4. Moins 4. Hein. Ok, en général à 4 de toute façon. Mais ouais, tu t'en fous du coup. Et je pensais de cette impression. 3 plus pour me blesser. 4 plus, parce que du coup, tu mets moins un blesse. 4 plus, oui, autant pour moi. Donc du coup, t'en as 4 plus 1. Plus 1. Ça me fait 5 sauvegardes. Là, on va clairement les faire. Bon. Ok, combien de dégâts à chaque fois, tu m'as dit ? Dégâts 2 à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Aïe, 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 ça me fait 4 morts, là. Hein. Bah, je vais te faire le sergent, qui a 5 attaques. Enfin, le lieutenant, plutôt. Ouais, lui, là. Il n'a pas envie. Ouais, il a pas envie. Il est pas chaud. Ok. Et il est en 2 plus ? Heureusement. Ok. Force 5. Donc, cette fois, c'est sur du 6, c'est très bien. Bah, écoute, t'en as 2. À pénétration d'armure, 2. PA moins 2. Donc ma 4 plus 1 vue, elle reste à 4 plus 1 vue, quand c'est fiel. Hop. C'est bon, bah rien de plus, et j'aurai terminé de taper. Très bien. On est parti pour les attaques ici des Blade Guard. Donc c'est du 3 tout plus. Ça ouais bah oui, ils ont 4 attaques. Ah. Je reroll des 1 de toute façon. Alors je prends le fait d'être reroll des 1, il faut choisir au début de la phase. Oui. Et je prends le reroll des 1 pour toucher. Choisis l'attaque plutôt que la défense. Exactement, je choisis de faire mal. Et je pense que j'ai bien choisi. Je vois... Oui, t'as pas mal de 1. Je vois pas mal de 2 aussi. Et allez, ça c'est force 5, donc c'est du 5 plus. Prends du 6, ouais, c'est sûr du 5 plus pour me blesser. Et après c'est PA moins 2. En vrai, ça devrait le faire. PA moins 2, tu m'as dit. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, 4 plus 1 vue ou 4 plus. Ça fait 6, 7, 8 PV. C'est 2. Ah ouais, bah ouais, je suis bien mort. Hein. C'est l'heure de la rebiff. On va commencer par les petits Terminators. Ils ont 2 attaques chacun puisqu'ils ont des gantelets de concassion, concassage, concassure. Bref, ils ont des gantelets. Ils cassent des noix. Ils cassent des morts, voilà. 3 plus. C'est pas comme ça qu'ils vont casser des noix. On est sur de la force 9, sur de l'endu, beaucoup moins. Donc on est sur du 2 plus pour te blesser. Ouais. C'est 4 sauvegardes à PA moins 2 pour dégager. Bah, un vu à 4, ça se va. Exact. Oh, j'y crois pas. Et Azrael est comme ça. Tu tapes ses hommes, il est comme ça. Pam, incroyable. Pam. Il défend ses hommes. C'est Azrael, ça. J'ai envie de pleurer. Azrael défend ses hommes. Il laisse pas mourir comme ça. Eh ben écoute, il s'en fout parce que le Cal a 4 attaques en plasma axe, donc à 2 plus. Ouais, je pense que tu bluffes. Tu bluffes, Martini. Force 5 endurance moins, c'est sur du 3 plus. C'est pas beau. Ouais, tu bluffes. C'est pas beau. Tu vois, je t'ai dit, tu bluffes. Ça t'en fait une à PA moins 2 pour dégâts 2. Allez, meurs. Oh, mais j'y crois pas, même pas ça, il me donne. Bon, du coup, fin de la phase de combat. Ouais. À savoir que, qu'est-ce que j'ai scoré, moi ? Eh bien, j'ai fait assassinat, puisque j'ai tué l'homme ouais, là-bas. Ouais, t'as tué un personnage. Donc déjà, ça va me faire scorer... 5 points. 5 points, exactement. Et j'ai également tué alors une unité qui contrôle un objectif qui est le même personnage, donc ouais. Qui va me ramener 3 points. Donc ça te fait un tour à 8 plus les 10, ça te fait un petit tour à 18. Exactement. C'est pas mal, hein ?
Début du T3 côté Votan. On regagne tous les deux un PC. Exactement, je passe à 2. Ouais, je passe à 4, je sais plus quoi en faire. T'en veux ? Ouais, je veux bien, je prends. Je prends. Qu'est-ce que j'ai tiré comme objectif ? Déjà, à savoir qu'au début de mon tour, je tiens l'objectif chez moi, je tiens l'objectif du centre du champ de bataille. J'ai donc marqué 10 points de primaire. Je vais avoir tiré comme objectif déployer la balise ainsi que engagement sur tous les fronts. Déployer la balise consiste à soit dans le camp de mon adversaire, soit au centre du champ de bataille, de faire une action pour pouvoir, à la fin du tour, marquer des points. Ce qui est clairement le cas au milieu du champ de bataille, puisque je dois être à moins de 6 pas du centre. Pour la deuxième, c'est l'engagement sur tous les fronts qui consiste à être sur les 4 ou 3 quarts de table de la map, ce qui est vachement bien, puisque j'ai 5 Terminators qui arrivent des frappes en profondeur et encore 3 motos qui arrivent des renforts stratégiques. On est au tour où je peux me déployer un petit peu partout où je veux. Ça devrait être faisable. Ouais, surtout que tu as de la place ici, on a regardé. J'ai un peu de place des deux côtés, ouais. Donc ça devrait être pas trop mal. Normalement, tu les fais sans que je puisse te contrer. Ouais, sans que tu puisses faire grand chose. Hormis l'éventuel tir de contre-charge, ce genre de choses, puisque maintenant on a le droit à la phase de mouvement de tir en contre-charge. Fin de la phase de mouvement côté Votan. Ouais. Avant de passer à la description de ce que tu as fait à la phase de mouvement, il y a eu plusieurs choses très intéressantes. Oui. On va parler des tokens. Oui, petit rappel au niveau des tokens, les gars, parce que au début de ma phase de commandement, à savoir que j'avais donc précisé que cette unité, j'ai précisé en retard que cette unité prenait un token de jugement puisque elle est visible par mon cal. Et histoire que vous puissiez suivre, comme cette figurine a tué une unité ainsi que cette unité, eh bien, ils se sont tous les deux pris un token de jugement, ce qui va me permettre d'avoir un plus un à la touche. Exactement, et à savoir que sur la zénithale, quand vous regardez ou sur la caméra, ça considère comme étant marqué une fois par un totem, et quand il y en a deux, le supplément par-dessus. C'est le full. Supplément, salade de bataillon. Et donc. Alors, pour mes mouvements, qu'est-ce que j'ai fait ? À savoir que dans ce décor-là que vous voyez, les figurines sont en fait à l'étage au rez-de-chaussée, c'est une question pratique, donc ils sont contre le mur à l'étage au rez-de-chaussée ainsi que le champion. Les berserks ont avancé de manière à pouvoir prêter main forte au cal et au terminator pour aller taper dans ces petits monsieur là-bas. Le champion ici n'a pas bougé pour pouvoir garder son objectif, les guerriers n'ont pas bougé non plus puisqu'ils n'ont de toute façon pas le droit de le faire, puisqu'ils ont été survolés. Les berserks ont eux aussi avancé de manière à se rapprocher de l'avion. Le problème étant que mon adversaire a un stratagème qui lui permet de se barrer quand j'arrive à moins de 9 de lui, donc ça a été un petit peu tricky. C'est pour ça que l'Hécatone Fortress est venu par là pour pouvoir les prendre à revers et pour rester à plus de 9 pas de... Parce que si j'étais par là, et ben c'était trop galère par rapport à eux, par rapport aux Dreadnought, enfin, c'était une galère. Donc là, on est plutôt pas mal. Mon Sagittor du milieu a débarqué ses 5 guerriers qui vont faire l'action au milieu du champ de bataille pour me faire marquer des points sur mon secondaire. Et pour terminer, on a deux escouades qui sont arrivées, des frappes en profondeur, une de renfort stratégique, une des frappes en profondeur. Les motos qui sont ici vont pouvoir avoir un quart de table. Les Terminators qui sont dans le coin là-bas vont pouvoir eux aussi faire un quart de table, ce qui fait que j'aurai les 4 quarts de table à la fin du tour, ce qui est plutôt pas mal au niveau de mes secondes. Phase de tir, les Hécatone Fortress tirent dans les Blade Guard qui sont ici. Tu as un token de jugement, ce qui va me donner un plus 1 à la touche, ce qui fait qu'au lieu de tirer à 4+, avec mon Heavy Magna Rail, je tirerai à 3+. Ok. C'est un 3, ouf, il n'en fallait pas moins. Force 18, donc 2 plus pour te blesser. C'est un 5, ça te fait une sauvegarde AP à moins 4. Je me dis pas, tu es invulnérable. C'est un vieux. Regarde. Okay. Ah, des 6 non, mais j'enlève vraiment. T'énerve pas, j'enlève vraiment. De Twin Ball Cannon qui sont par 2 sur le véhicule, donc ça fait 6 tirs. C'est du Sustained Hit 1, donc j'aurai un tir en plus. Il y en a 3 qui ne passent pas. Donc un tir en plus. C'est de la force 6. T'as plus 1 hit, hein. Oui, mais ça passait pas. Okay. J'ai que des 2 et des 1. Force 6 sur de l'endu. 4. 4, oui. Pas endu 5, c'est pas des blades de. Pardon, 5. 3 plus. Et on est sur 3 reroll parce que Twin Mint, non. Donc ça te fait 3 sauvegardes à PA-1 pour 2 dégâts. À 3 plus, passe à 4 ou 4 plus, ou pas aucun, voilà. Ça fait 1 mort. Et 2 dégâts par 2 dégâts. Ouais, mais c'est 2-3 PV, les mecs. Ouais, exact. Et j'ai ensuite le Mâtre Autocannon, qui est donc une arme qui fait 6 tirs à 4+, mais à 3+. Ouais. Tu n'as pas de bonus quel qu'il soit, mais qui a une force de 7, donc 3+, pour te blesser. Ça te fera donc 3 sauvegardes à PA-1 pour 2 dégâts là aussi. 3+. Ah, ça en fait 2 de réussite. Dégâts ? Dégâts 2, hein, donc ça te fait encore un petit mort. On va passer aux motos en effet. Bon, la moto, de toute façon, il ne va y avoir qu'une seule qui pourra tirer. Puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est en ligne de vue, mais bien évidemment, j'ai fait en sorte que ça soit celle qui a la bonne arme de tir, donc le Yon Beamer qui fait 3 tirs. Allez, c'est 3 tirs sur du 4+, mais du 3+, parce que... Ouh, c'est pas beau parce que c'est des 3 systèmes. Et ça va faire 4 tirs supplémentaires. Force 7, donc 3+, pour te blesser. Mm-hmm. Bon, bah voilà, super, les 4 touches, elles sont là.
Ça te fait 3 sauvegardes AP à moins 2 pour un dégât. C'est agréable de jouer avec toi. 4 plus, dégâts ? Dégâts. Bon, bah, on va voir. Ok, bah, allez, un petit PV. Et puis, on va faire quand même les armes de la moto en elle-même, même si c'est pas ouf. C'est le Bolt Shotgun qui tire à 12. Donc, on va faire 2 tirs sur du 4 plus, mais du 3 plus. Il n'y en a qu'une seule qui passe. C'est de la force 5 sur le lent du 5. En du 4, mais en ça du 4, change. Mais bon, rien du tout. Le Sagittor tire toutes ses armes dans les Blade Guard. Ils t'ont rien fait, c'est incroyable. Ils m'ont rien fait, mais. Ils tirent dans autre chose, tirent dans quelqu'un de ta taille, tirent dans ça. Ils ont tué son copain. Lui, t'as tiré dessus et toi, tu l'ignores. Tu peux pas faire ça. Complètement. Bon, il te restait 3 PV, c'est ça ? Exactement. Donc t'as moins un hit. J'ai moins un hit, en effet. Donc du coup, t'es en normal. Je reste à 4 plus. 2 tirs avec le Eyelas Beam Cannon. Il y en a un qui passe. C'est de la force 12 en du 2 fois moins, 2 plus. Ouais. Ça te fait une save AP à moins 3 pour décider, dégâts. Oh, c'est pas beau. Enfin, 4 plus, hein. Dans mon sens, c'est pas beau. Ensuite, on va faire le Twin Bolt Cannon. 3 tirs, 4 plus, 3 plus, mais 4 plus parce que j'ai moins 1 pour tirer puisque je suis en profil dégressif. C'est de la force 6 sur l'endurance moins, c'est sur du 3 plus. Et je me sens comme Julien Lepers quand je parle comme ça. Ça fait 15. Ça en fait une AP à moins 1. Dégâts. Pour 2 dégâts. Je sais pas pourquoi j'ai éteint, mais 2 dégâts. Bon. Hop. Voilà. Ils prendront leur CP pour réussir leur oui, test. Oui, hein. Je pense que je vais, quoi qu'il arrive, tenter au pire une charge avec eux là-dedans, même si l'on charge au cas où, si ça passe, franchement. Ok. On est parti sur les squads de guerriers. On va commencer par les armes SP, bien évidemment. D'abord le Magna Rail, mais toi, tu as, il me semble, un petit truc à préciser. Ouais, parce que tu tires donc du coup sur mon Dark Talon. Ouais. Et je vais utiliser le stratagème qui fait que. J'ai moins un hit, moins un blesse, ça marche sur les montées et sur les volants, ça tombe bien, il est volant. Ah bah écoute, très bien, vas-y. On passe par d'abord les Magna Rail, donc qui normalement, comme tu as un token de jugement, devait toucher sur 4 plus, mais finalement sur 5 plus. C'est pas mal. La justice n'existe pas dans ce monde. En du 8, donc force 12, 3 plus. Allez, voilà, ouais. Ça te fait moins 3 pour la PA. Moins 3, donc du coup, c'est du 5 plus. T'as pas une invulnérable à 4 avec toute la. D'accord, à 5 plus. Ok. Bon bah c'est D3 plus 3. Ça fera 2 plus 3, ça te fait 5 points de vie. On va enchaîner avec les Plasma Beamer, donc les deux autres armes SP de l'escouade, puisqu'ils étaient à la base 20. Un tir par arme, donc sur du 4 plus, mais du 3 plus, mais re du 4 plus parce que tu m'as mis moins 1. Ça en fait une qui passe, c'est de la force 8 sur dans le 8, c'est sur du 4 plus pour te blesser, et ça moins ne passe absolument pas. Bah voilà, de toute façon, ça ne passe absolument pas. Et on va ensuite faire toutes les petites armes que je te propose de faire hors cam, parce qu'il y en a beaucoup et que ça sert pas à grand chose. Bon, on a fait tous les petits tirs comme prévu. C'était incroyable. Incroyable. Zéro dégâts, hein, comme d'hab. Voilà. On va faire surcharger par contre le Psyker avec son Ancestral Wrath, puisqu'il aura 6 tirs sur du 2 plus, mais du 1 plus, mais du 2 plus. 5 plus, puisque moins 1, je 6. Suis en force 6. Donc du coup, du sur. Ah ouais! C'est pas faux cette histoire. PA-2. Vas-y, les dégâts. Allez, des 3 dégâts. Dégâts. C'était incroyable. Très bien, très bien. 9 PV de perdu sur ce petit avion quand même. Oui, hein. oui, quand même. On n'a plus que tous les tirs hors lost de tes petits gars. Ici, les Berserk. C'est très anecdotique, hein, les tirs de lance-grenade. Je vous dirai ce qui s'est passé après. Alors, on a fait tous les petits tirs avec les berserk, comme ça tu dis les... Mais en fait, c'est berserk, pas berserk. Ouais, je sais, mais en fait, quand j'ai lu le nom, j'ai dit, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est des berserk. Je pense que c'est une erreur, mais bon. Bon, enfin bon. Donc, du coup, les tirs hors lost, ils ont rien fait. Oui. Ils n'ont absolument rien fait. Oui, clairement. Donc, on passe directement aux charges. Ouais. Je t'en prie, on peut commencer par celle que tu veux. Je vais quand même, c'est pas grave, je m'étais rapproché de l'avion, mais j'ai vraiment envie d'enlever ces Blade Guard. Je vais tenter une charge à 9 dans les Blade Guard qui sont ici. Ouais. Avec les berserk. Et c'est raté. Je vais la relancer pour un PC, il m'en restera plus qu'un. Il m'en reste 2, mais il m'en restera plus qu'un. Et il m'en restera plus que 0, puisque ça coûte 2 PC, bien vu. Est-ce que ça va payer ? Ça ne va absolument pas payer. Et ça m'énerve. Moi, ça me rend heureux. Par contre, je vais charger de ce côté-là. Bah, si je fais. Bon. Ouais, non, c'est bon. Dernière charge ? Oui, ce petit bonhomme-là, c'est une charge à 9. Et je suis raté. Ah, mais il peut reroll de lui-même. Oui, exact. Voilà. Toujours raté. Et je crois qu'il peut reroll une troisième fois, je crois. Ah non, c'est trop tard, je suis désolé. T'as même pas fait 9. T'as même. Oui. Avec 5 dés. C'est pas mal. On passe donc au début de la phase de combat. Et même si je peux taper avant de mourir, il faut quand même jeter un dé. Et ça, vous savez, si vous connaissez que jeter des dés, c'est pas trop mon fort. Donc, je vais taper avec mes berserk. Tant pis pour les thermis. Mais je vais taper donc avec mes berserk. Ça fait tout ça d'attaque puisqu'ils ont des gros marteaux.
Et c'est sur du 4+, mais du 3+, parce que tu as pris un token de jugement. Ouais. C'est de la force 9, donc sur de l'endurance 4, c'est sur du 2+, pour te blesser. C'est fou. Je veux bien t'aider. Juste tester tes dés, parce Vas-y. Je me dis qu'il y a un truc. Ouais, peut-être. Un vu à 4+, grâce à Azrael. Bon, quand même. Dégâts 3. Ah oui, donc ça fait 4 morts. 4 morts, ouais. Bah, je vais enlever les pertes, et puis on va passer à mon activation, parce que je vais dépenser 2 PC, il m'en restera qu'un, pour taper avant toi. On est parti pour mon gros pack avec Azrael. Bah, on va tout mettre dans les thermis. Gros pack. Donc, je te rappelle, t'es toujours sous serment. Je tape, c'est parti avec les épées tronçonneuses des mecs. Ouais. C'est du 3+, full reroll. Les 6, c'est sustain hit et lethal hit. Donc, autant vous dire que j'ai un 6, bah, je refous. Ouais, franchement, ouais. Je serais toi, ouais. Je m'en fous. Ouais, je vais chercher 3-6, ça fait pas mal. Ouais, ça te fait 3 touches de plus et 3 touches qui blessent automatiquement. Donc du coup, ça fait 6 pour blesser, c'est du 5+. Ouais. Oh. Reroll des 1. Oh. Ok. Bon, bah ça en fait 3. Ouais, c'est ça. 3 sauvegardes AP1, moins 1, il me semble, donc ma 2+ passe à 3+. Mais c'est incroyable ça. D'être si mauvais. Azrael. 2+. Du 6, tu sais quoi, je m'en fous. Ah ouais, Allez, touche à 2, alors je m'en fous. Je vais pas faire un 1000. Bon, oui. Je ferai pas de 6 quand même. Donc une touche et une blesse, donc j'ai déjà une blesse, grosso modo. Force 6, donc 4+, parce que tu mets moins d'un blesse. Exact. Force 6, endurance 6, 4+, 5+. Non, parce que quand c'est équitable. Ah oui, 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 oui. Du coup, oui, pardon, donc, du coup c'est forcément 4. Reroll des 1 grâce aux intercessors. Ok, donc t'en as 4. J'en ai 4, malheureusement, je n'ai plus que 2 Terminators, je vais devoir les faire 2 par 2, parce que après ça sera sur le copain. Donc les 2 premières, ils survivent. C'est pas mal. Et ben je peux faire les 2 dernières. Ils survivent aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben je ne sais pas. Tu m'obliges à sortir mon lieutenant? Ils veulent pas laisser leur copain tout seul. Le lieutenant, c'est 5 attaques, c'est pareil, c'est du 2+, ça va être le même procédé qu'Azrael. Oui. J'ai dit le même procédé qu'Azrael, donc tu me sors des 6. C'est pas mal. Oui, bah écoute, c'est toujours mieux. Hein. Parce que du coup. Oui. Une touche en plus, une blesse auto. En fait, ça fait une blesse qui accompagnera ça. Je suis force 5, je suis en dessous, donc c'est du 4+. 4+. Tu mets pas le moins 1 parce que je suis pas supérieur à ta force. Mais si t'es en dessous, par contre, c'est 5+. Si tu es en dessous, oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc du coup, j'en ai qu'une. Ça m'en fait et 2 au total. PA moins 2. Alors, bah, 4 plus. 4 plus. Ah, dégâts 2. Dégâts 2. Ouais, mort. Il y en a un qui meurt. Bon, bah ok. Maintenant. Donc c'est 3 attaques par bonhomme, il n'y en a plus qu'un. Donc on va déjà faire le Concussion Hammer. 3 attaques, ouais. 4+, mais 3+, parce que tu as un token de jugement. Ouais. C'est pas mal. C'est de la force 9 sur de l'endurance, 2 fois moins 1, donc c'est sur du 2+, pour te blesser. C'est pas mal. Ça te fait 2 sauvegardes APA, moins 1 pour 3 dégâts. Moins 1, donc 4+. 3 dégâts, ça fera un petit mort supplémentaire. Il restera plus que le Cal. 4 attaques sur du 2+. Hop, et qui est force 5 sur endurance 4, c'est sur du 3+, et ça te fera donc 2 sauvegardes. Il me semble que c'est PA moins 1 ou moins 2, c'est de la PA moins 2 pour 2 dégâts. Donc ça te fera un tanké et un mort. Un mort. Puis, hop. Ok, bah écoute, il me reste mes 2 héros. Ouais. Bah c'est bien. Comme ça, en plus, sont séparés, ça fait 2 unités différentes. Et, oui, 2 personnages différents, ouais, complètement. Et puis je pense que c'est la fin de mon tour. Hein. Donc je vais marquer 4 points parce que j'ai les 4 cartes. Ok. Et tu devais faire une action au milieu du centre, à moins de 6 du centre du champ de bataille, qui est fait avec eux. Pour les marquer à la fin du tour, 5 points. Donc 5 points, ça fait 9 points, plus les 10 points que j'avais au début du tour. Début du tour, T3 côté d'Archangel. Je vais scorer 10 points de primaire parce que je contrôle au moins 2 objectifs, 5+5. Ensuite, j'ai tiré les cartes, j'ai chopé Abattez-le, donc tuer des gros, ça va être faisable, et Assaillir l'objectif hostile, donc c'est en gros, je dois reprendre un objectif que tu contrôles. Et je dois le contrôler à la fin, quoi. À savoir tout de même que tu vas avoir un test d'ébranlement à faire sur tes Blade Guard. Ouais, bah je vais utiliser un PC. Et peut-être même sur ton avion, parce que t'en as perdu quand même pas mal. Oui, sur l'avion, c'est sûr. Je vais le faire. Mais de toute façon, l'avion, il s'en fout. Oui. Et les Blade Guard, ils utilisent un PC. Voilà. Comme ça, c'est réglé. T'es comme ça. N'oublie pas que j'ai toujours Azrael, parce qu'il a pas voulu mourir. Donc du coup, je suis à 5 PC, parce que j'en ai plus 2, il m'en restait 3. Bien, ouais. Donc là, il m'en reste 4. Bon, ça va. Ouais, le cerveau de l'instant, je crois que je vais le prendre sur elle. On va marquer des points, on va essayer de s'agrandir au niveau des points, donc je vais prendre ça. Ok, fin de la phase de mouvement. Bon, je commence à prendre un peu du terrain. Voilà, je sors les motos. De toute façon, vous pouvez le voir sur la zénithale en vrai, mais
Voilà, tout est sorti, on se cache plus, ça y est, on vient. Ah bah là on y va là. Là on vient, la Ravenwing fonce avec ses motos, et on est là pour tout défoncer. On va, je pense que c'est assez explicite, hein. Je me mets sur les objets, je consolide mes points. On va passer à la phase de tir directement. Je vais... Deux petits tirs ici, je vais les mettre dans les motos, juste ici. Ouais. On sait jamais, c'est du 3+. C'est force 4. Non, comme ça, c'est fini. On passe donc au tir de ces motos-ci qui vont tirer. Alors. Oui, t'as une moto qui est revenue aussi. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. J'ai oublié de le préciser, mais mon apothicaire a ramené une moto à ma phase de commandement. Bref, je l'ai ramené ici. Du coup, je vais tirer, je vais tout mettre là-dedans. Comme ça, au moins, je suis sûr. Et je chargerai là au pire. Oui, oui, t'as raison. Sachant que t'as qu'un PC. Tu devrais tout mettre dans les berserks et charger dans les thermiques, parce que les berserks peuvent taper avant de mourir. C'est vrai. Voir, c'est vrai. Bah, je vais faire comme ça. Tu dois le faire comme ça. Je vais faire plutôt comme ça. Donc, c'est 3 tirs par moto. En fait, comme t'es à mi-portée, du coup, c'est 3 tirs et plus 2. Et c'est parti, surcharge, hasard douce. Vas-y. 3+. Force. Force 8. 3+. Ils sont pas rendus 5, eux, non? Si, mais 3+, du coup. Oui, c'est vrai. C'est combien de dégâts par combien de dégâts? Parce que j'ai pas de fil no pay. Enfin, à moins 2, dégâts 2. Dégâts 2. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 12 fil no pain à faire. Ils ont 2 points de vie chacun. Fil no pain à 5. Meurt, 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 meurt et meurt. Ils sont tous morts. Ok, bah ça règle la question. Lui, il aura tiré dedans. Donc c'est très bien. On va passer aux autres tirs un peu plus milieu de table sur les petits bonhommes ici. On va faire tous les tirs de ratata. C'est le plus important, hein, ce qu'il y a là, pour tes objectifs, clairement. Ouais, ouais. Ouais, tout est important pour la revenue du monde, je tue du Gotan. ça reste important. On va faire le Melta tout de suite là-dessus. Ouais. C'est 2 tirs. Sur le Sagittor. 2 tirs, c'est en 3+. 2 touches. C'est vrai que tu vois pas, mais. Force 9, endurance 10, c'est sur du 5+. Il y en a une seule. PA-4, tu peux y aller direct sur les dégâts. Des 6. Pas à portée de fusion, peut-être que si. Comme je suis à demi-portée, donc je suis à moins de 9. Moins de la demi-portée, c'est du ça. Sagittor. Je suis mort. Est-ce que j'explose? Eh oui. Tu es des 6 dégâts, plus 2 grâce à ça. C'est ça, sachant donc, que j'avais fait 1, donc j'ai fait pile poids 3. Donc, c'est bien pas ouais, bon. Je... Elle a jamais été rentable cette, ce squad d'Inventor, et aujourd'hui il est, ça me fait plaisir. Bah écoute, lui il va tirer là-dedans, dans les petits mecs là-bas. Ouais. Félix pense survivre. On va lui montrer ensemble que Félix rêve. C'est du 3+. Bon. Déjà, voilà. Force 9, 3+. Mm-hmm. Mais à moins 3 dégâts des 6. Allez, ma 4+ passe à rien du tout. Donc D6, ça fait D6, vas-y, j'ai un medic, je m'en fous. Ouais, bon. Bah si, elle fait une piste. Je prends le medic, ça va pas. 2 tirs en 3+. T'as de la chance, je rate un sur 2. 3+, 1, PA moins 1, dégâts des 3. Ma 4+, passe à 5. Incroyable ça. 2 dégâts, Fino Pain à 6. Il faut double 6. Non. Et le Melta Destroyer, 3 tirs, 3+. Ah, ah, tu vas survivre, tu vas gagner ton pari. Une PA moins 4 dégâts des 6. Ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais, ok, c'est ouais, bon. Okay. J'ai compris, voilà. Hein. Il m'en reste 2. Et je suis aussi 2 par bonhomme. Voilà. Ouais, bah, c'est bon, pas t'as les personnages là. Oui, hein. Ça devrait aller. Puis, en vérité, je vais te charger, donc je vais pas plus tirer oui, là. Oui, t'as raison. Ça te met sur l'objet comme ça en plus. Voilà, c'est un peu plus cool. Et on va passer au tir ici. Ouais. Et ensuite, je passerai au tir du volant. Sur ta forteresse plutôt. C'est parti, on tire avec le Dreadnought Redemptor dans la forteresse. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Reste un PC absolument quand même. Pas, non, non. Bon, ça a été résigné? Non, c'est que j'ai une autre idée. Très bien, bah, je vais te tuer au plasma. Ouais. Je surchauffe. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait mes... Ah j'ai pas c'est fait... vrai ça. J'ai oublié, ville que je suis. Allez, 4D. Je vais pas mourir. Voilà. Pas mal. On revient à nos oignons. Lui, il surchauffe, ouais. Hein, comme promis. D6+1. Tu me fais pas un comme tout à l'heure? Voilà! C'était quoi ton idée, Félix? Je suis curieux de savoir. J'en avais absolument pas. C'était une histoire de dire que je dépensais pas de PC, quoi. 3+ full reroll? C'est pas beau. Ça va pas être beau, cette histoire. Non, ça dépend, c'est pas si puissant que ça. C'est juste un macro incinérateur en surcharge. Force 1. Force 9. Ah oui, endurance 14. Donc ouais, 5 voilà. Plus. C'est pas mal. Une. PA. Moins 4, dégâts 3. D6, non, je suis partiellement couvert, donc à 5+, bon, rien du tout. 3 dégâts. Il m'en reste 9. Il t'en reste 9, ok, bah on continue à tirer, c'est pas grave, tu vas m'obliger encore une fois à tirer avec toutes ses armes. Déteste tirer avec toutes ses armes, il y a trop d'armes. Des 3 tirs. 3. Ça, c'est le Icarus Rocket Pod. Ouais, tu connais bien, 3+. Ok, donc il y a pas je joue des fois.
Ok, donc il n'a pas envie, voilà. Gatling, c'est 8 tirs. 8 tirs sur du 3+. C'est de la force 6 sur de l'endurance 14, donc ça sera sur du 6+, pour me blesser. Mais par contre, les 6 feront de la Devastating Wounds. Que des 6. Eh ben, il y en a 2 quand même. Hein. Donc ça c'est fait, pas si mauvais. Hein. Déjà, oui, oui, donc ça fait 2 dégâts. Et le Grenade Launcher, 7 points de vie. Un tir en 3+. Oui. Ouais. Force 4. Voilà. Non, du tout. Et plus que 7 points de vie, bah, on va passer à mon homme du match. Le volant. Le volant. Donc tu choisis de ne pas t'occuper des Berserk et de tout lancer dans le... Ah non, tu vas mettre le la... J'imagine... Oui, quand même. Ouais. Quand même. Félix, quand même. Le Rican, les 12 tirs dans les Berserk et évidemment la grosse arme dans lui. Ouais, je vais pas shooter des... Non, quand même. 12 tirs sur les Berserk, c'est du 3+. Non, c'est du 4+, parce que je suis blessé. À plus, oui. plus de la moitié. J'ai retourné un dé. Ouais, c'est pas mauvais. Force. Force 4. Endurance 5, 5+. Relançable, parce que Twin Linked. Relançable. Et ça en fait quand même 4. Hein. Et combien de dégâts? Non, dégâts. Dégâts 1, hein. 5 Feel No Pain à 5. Ça me fait 2 points de vie, ça me fait 1 mort. Ok. Et maintenant, on passe à la grosse arme sur la forteresse. Des 3 tirs. C'est bien. Plus 1. 3 plus. C'est bien. 1, force 16. 1, PA moins 4, dégâts. Ah ouais, j'avais pas fait un 6. Dégâts 3. Alors, PA moins 4 qui passe à moins 3 puisque je suis à couvert. Donc, à 5 plus. Ouh. Très bien. Bon. Très bien, à savoir que lui, il a surchauffé, on l'oublie pas. Le ah plasma, oui, le Dreadnought. Le plasma, c'est dangereux. Mais il vous pas, pouvez il un passe jour. Pas loin. C'était pas loin. Bon, bah, on n'aura pas tué les Katos tout de suite. Et ben, on va passer à la phase de charge. Ouais. Parce que j'ai des petites charges que j'ai envie de faire. La première, ça va être ici. Ouais. Je charge là-dedans. Ok, je ferai le mouvement après. Ici, je vais charger avec les motos là-dedans. Ok, 7, c'est bon aussi. Bon, écoute, Azrael va charger à gauche. Dans le champion? Ouais, dans le champion. Je sais pas si c'est à combien, mais on va voir. Ok, il y va pas. Et le lieutenant va charger... on sait jamais. Le dernier restant avec le calme. Ici, je vais taper. Oui. On va les enlever. On va les enlever, ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça. Il y a un chapelain dedans, il y a tout ce qu'il faut. Ici, on va taper, il n'y a pas trop de doute. Oui, très honnêtement. Je te propose de faire taper ton héros. Voilà, on va faire taper Azrael, c'est... Je vais les tuer avec les motos et tout ça, mais l'intérêt c'est de montrer... On va bien évidemment estimer que le thermier est mort avec le reste. Ouais. Et je te laisse taper avec ton chef contre mon chef. Voilà, juste parce que c'est beau ça et que nous on kiffe la beauté. Exactement. C'est 6, Substanite. Substanite 2, je suis full reroll. Wow. Parce que je t'ai marqué, toujours. Ah non, j'ai marqué le Katos, là-bas. Bon, bah ça a loupé. Et du coup, bah... Ouais, mais t'en as quand même 4 de plus, ouais. Ouais, voilà. Force. C'est quand même pas mal. Force 6. Endurance 5, donc 3 plus. 3 plus parce que t'es plus... T'as un tir là à lancer. Ouais. Il était tombé de la main. ça, on fait 3. Ouais. PA, moins 3, dégâts 2, ou dégâts 3, quelque chose comme ça. PA, moins 4. 3, dégâts 2. Et que 2 j'en dégâts. Que 2, hein. Lui va plin et va le finir. Comme un bonhomme. Oui, on va partir du principe que tes motos auraient tué le thermie. Oui, ou alors on devrait tout recommencer, mais comme là, c'est pour la rigolade. De c'est toute façon, le... je sais que mon cal va finir par mourir et revenir, puisque de toute façon, si vous avez bien vu le descriptif, mon cal a la capacité de revenir sur un 2+, avec l'amélioration. C'est ça. 2+. C'est pas mal. C'est quand même fortement incroyable. C'est pas mal, hein. 4. C'est bon, hein. C'est plutôt impromptu. Honnêtement, même je dirais même impromptu. Hein, on l'a pas bien fait parce que les motos devaient taper, etc. Mais juste pour le quadruple 1. Ouais, c'est rigolo. Je te le laisse. Et bah, c'est non, c'est cadeau. Par contre, ce que je ne vais pas t'offrir, c'est la rebiff Ducal, tu vois, qui va taper à 4 attaques. Ah, pardon. À 2+. Dans, bien évidemment, ton mec qui a voulu faire le malin, je vais t'exploser. Donc à 2+, il a bien évidemment sustain hit, donc il va rajouter une attaque. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Vas-y. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est improbable qu'il survive. Hein. Complètement. C'est pour ça qu'on était parti sur ça. Hein. Donc force 8, 3+. Et bah, ça t'en fait 4. Hein. 4 PA. PA moins 2. 5+. Dégâts. Dégâts 2. Bon, ça fait une moto. Du coup, fin de la phase de combat et fin de mon tour. Je vais scorer un total de
pour abattre le 3 points, parce que le Sagittaire a 9 PV, pas 10. Et en plus de ça, assaillir l'objectif hostile, bon bah je crois que ça a été très largement fait ici. Une unité qui contrôlait un objectif au début de... du tour. Exactement, et donc du coup j'ai marqué 5 points. Et je vas m'empêcher de marquer 5 points de primaire, en m'enlevant l'objectif du milieu. Exactement. Donc ça c'est pas mal. Début du T4, côté Votan. Ouais, Félix, c'est parti. Je récupère un PC, je passe à 2, incroyable. PC infini. 172, voilà. PC infini. Munition infinie, L1L2, machin. Bref, début de ma phase de commandement, je vais avec mon cal marqué d'un pion de jugement. On va marquer ce petit bonhomme-là, puisqu'il n'y a que lui. Donc ça, c'est fait, c'est dit, c'est acté. En plus de ça, je vais avoir un objectif. Je vais marquer donc 5 points de primaire. Et je vais avoir tiré comme mission secondaire l'interdiction de zone et la cible tentante. La cible tentante, mon adversaire va devoir, comme moi tout à l'heure, sélectionner un objectif et apprendre bien évidemment celui du milieu qui est quand même bien gardé. À savoir que l'interdiction de zone va consister pour ma part à devoir faire en sorte que le centre du champ de bataille à 6 pas autour soit complètement vide de toute unité ennemie. Et c'est pas mal en fait parce que bon, ça va être très difficile, mais par contre si j'arrive à chasser ce qu'il y aura au milieu, ben, je vais arriver à normalement marquer mes deux objectifs. Mais c'est assez, on va dire, comme diraient certains, ballsy quand on parle norvégien. Du coup, mais comme je suis plein de charisme, je suis sûr que je vais y arriver. Négatif. Fin de la phase de mouvement côté Votan. Bon, pas mal de mouvements. Oui. C'est bien. Bah, j'ai fait en sorte que mes thermis se rapprochent de lui, mais pas trop pour qu'il puisse se casser pour pouvoir lui tirer dessus. Pareil avec les squads de guerriers qui étaient à l'intérieur. Lui s'est approché pour venir, le champion s'est approché pour venir prêter main forte au cal dans les squads de moto. Mon champion s'est approché de manière à se mettre à 9-2 pour ne pas qu'il se déplace, pour pouvoir aller éventuellement les charger. Une fois que les guerriers qui se sont aussi déplacés leur auront tiré dessus. Et sur le flanc gauche, c'est là où il s'est passé le plus de choses, puisqu'en fait, j'ai déplacé mes bézerques pour qu'ils puissent taper dans l'avion. J'ai déplacé mon Hécatone Fortress pour qu'elle puisse avoir des lignes de vue sur les motos, ainsi que mes motos pour qu'elles puissent éventuellement avoir soit de quoi tirer dans les Black Guards, soit de quoi tirer dans les autres motos, et surtout te forcer à essayer de bouger tes figurines, ce que tu as bien évidemment fait. Ce que j'ai fait, ouais, sur le mouvement des motos, quand elles sont venues, j'ai bougé un tout petit peu mon Dreadnought. Pour pouvoir venir récupérer l'objet et pas que je te le récupère avec mon OC. Exactement, en tout cas, pas facilement. Ouais. Et un tir également de, au passage. En état d'alerte. Au passage, parce que... Dans l'hécatone. T'es toujours sous serment. Sur un malentendu. Malentendu, on peut faire mal. Ouais. Je surcharge, j'apprends pas de mes erreurs. j'apprends clairement pas de mes erreurs. Donc des 6 plus 1. Voilà. Tu sais que tu as le droit de dépenser 2 points de co pour relancer celui-là, non? Quand on échoue avec grandeur. Sur 6, full reroll. Est-ce que je pète? Non. C'est parti pour la phase de tir après les puissants tirs du Dreadnought qui a fait Orcam et qui n'a, le grand garçon, n'a rien fait. Hein, voilà. C'est un petit Dreadnought qui travaille très mal à l'école et qui va certainement rentrer sur l'étagère en 4 morceaux. Je vais en peindre un autre, je m'en fous. Écoute, je vais commencer avec cette escouade-là et on va faire les tirs des armes spéciales et les tirs du Psyker. On fera les autres Orcam parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que, et que le temps file. Le Psyker va surcharger pour tirer dans les motos. Il va donc faire 6 tirs. C'est donc sur du 2+. Ouais. Tu as choisi de faire un Armor of Contempt. Ouais, tout à fait. J'ai fait pour me baisser la PA de 1. Heureusement qu'il n'y a pas de Devastating ou de trucs comme ça, hein, parce que là, c'était un peu énervé. C'est de la force 6 sur de l'endurance moins. C'est donc sur du 3+, et c'est pas terrible, parce qu'il n'y en a que 3, et PA moins 2 qui devient une PA moins 1. De dégâts. Donc, tu t'en prends 2, et c'est 2 fois des 3. Donc logiquement, ça tue une petite moto. Ok. Et après, tu as tous les petits tirs, c'est ça? Après, j'ai tous les petits tirs, mais je vais faire au moins les armes lourdes, c'est-à-dire les deux fusils rails qui sont à 5+, mais à 4+, parce que j'ai plus 1. Voilà. Et qui sont force 12, endurance 2 fois moins, donc sur du 2+, ça te fait une sauvegarde à PA moins 3. Donc là, ça va te faire un mort direct, parce que c'est des 3+3, donc ça te fera une moto en plus qui meurt. Donc, et on va faire les deux plasmas, et il me semble qu'on est à 3 tirs par plasma. Ça tire fort, hein, mine de rien, je me rendais pas compte. Les petits atrocoques comme ça, là. Depuis tout à l'heure, je les néglige. Tu sais, je les regarde. Je me dis,
n'ont pas fait grand-chose ces hommes. Non, leurs armes spé sont pas mauvaises et avec certains stratagèmes, ça peut être mieux, mais comme j'ai plus beaucoup de PC, ben on va rester là-dessus. Donc non, c'est un tir par arme à plasma. Par contre, c'est sustained D3. Moi aussi, j'ai pas beaucoup de PC, hein, tu sais. C'est de la force 8 sur de l'ordre du 5, c'est sur du 3+, ça blesse pas. Et on fera toutes les petites armes hors cam, mais tu as quand même deux motos qui meurent. Exact. Fin des petits tirs. Bah écoutez, on pensait que ça ferait rien. Bah ça a quand même mis 6 PV dans la télé. Donc c'est pas si mauvais que ça finalement. On enchaîne donc avec les thermis, qui vont tout tirer là-dedans. Ils ont 3 tirs chacun. On va dépenser un point de commandement pour qu'avec un stratagème, ils puissent gagner le mot-clé Sustained 1. Ils ont les mêmes armes que les 10 terminators de tout à l'heure, donc ils ont 3 tirs chacun et c'est sur du 2+. 3+, pardon. Sachant que t'as moins un hit, pardon. Je suis stylé. Ah, exact. Donc il y a tout ça énormément. Qui saute. Ouais. Et on a tout ça. C'est de la force 5 sur de l'endurance moins, sur du 3+. Et les 6 font du Devastating Wounds. Donc il y aura déjà 2 blessures, quoi qu'il arrive. Et il y aura ensuite 4 sauvegardes à faire. À PA, il me semble, moins 1 ou moins 2. Bah, PA 0, bah, du coup, j'ai rien pris. Sauf ces deux-là, parce que c'est Devastating Wound. Et 2 points de vie. Bah 2 FNP à 5. Non, t'as pas le droit au FNP. Ah, c'est du Feel No Pain contre tout type de dégâts ou juste contre les blessures mortelles? D'accord. Bon bah 1 point de vie. Je vais tirer avec eux parce qu'eux ils ont un fusil rail qui tire à 5+. Et voilà. Et ils ont un fusil à plasma qui tire à 4+. Et ça fait un 6, ça me fait donc des 3 tirs supplémentaires. Ça fait un tir supplémentaire. Donc ça me fait 2 tirs, c'est de la force 8 sur le blanc du 2 fois moins, c'est sur du 2+. Donc ça te fait une sauvegarde APA moins 2 pour 2 dégâts. Pour des 3 dégâts, pardon. Des 3. Ça fera 3 dégâts. Je crois qu'il meurt. T'es sérieux? Mais il a 4 PV, lui. Ah, vérifie. Non, il a 4. T'es sûr? Sûr et certain. Bah, l'Hécatombe Forteresse va tirer dans les motos. Donc, il va tirer tout d'abord avec son méga fusil de la mort. Ouais. C'est sur du 4+, mais 3+, parce que 2 tokens. Alors, moi, je te mets moins 1 hit, moins 1 bless. D'accord, avec de toute façon, j'ai fait un 6. Ok. C'est de la force 16, donc ça sera sur du 2+, mais 1+, parce qu'il y a le token, et tu me remets moins 1, donc 2+. Non ! Costaud, ces motos. En même temps, elle est à l'envers. Qu'est-ce que tu veux qu'elle voit ici ? C'est vrai, elle tire avec ses fesses. Allez, Matre Autocannon, c'est 6 tirs. C'est sur du 4+, mais du 3+, mais redu 4+, puisque tu m'as mis moins 1. Ça en fait tout de même 2, c'est de la force 7, donc 3+, mais 2+, puisque j'ai plus 1, mais moins 1, 3+. Ça te fait une sauvegarde à pénétration d'armure de moins 1 pour 2 dégâts. Armure of Contain toujours, moins 1. Ouais. Je vais mettre sur... j'ai pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Bravo. Okay. Et bah écoute, je vais terminer avec mes Twin Bolt Cannon. J'en ai 6 tirs à faire au total. On est sur du 4+, mais du 3+, mais re du 4+. C'est pas terrible, ça en fait 2. C'est de la force 6 sur de l'ordre du 5, c'est sur du 3+, mais du 2+, mais re du 3+. Ça te fait 2 sauvegardes à pénétration d'armure moins 1 qui devient 0, donc pour 2 dégâts. 2 dégâts à chaque fois? Ouais. Non, ça me tue, puis le pot de la télé. Ah oui, bien vu. Donc ils vont tout tirer dans les Blade Guards qui sont ici. Donc on va faire d'abord leurs 3 tirs de Ion Beamer, le reste on le fera très certainement hors cam, parce que c'est des fusils à pompe, c'est pas ouf. Donc ça fait 3 tirs à 4+, mais 3+, parce qu'on leur a mis un petit token. Donc ça fait 2 tirs qui passent. C'est de la force 7 sur de l'an du moins, ça sera sur du 3+. Et on aura 2, dont 2. C'est de la pénétration à moins 2 pour dégâts 1. Et bah 2 dégâts. Après c'est du pistolet et du shotgun et c'est pas des trucs ouf, donc on fait ça après, on vous dit ce qui s'est passé. On a fait les autres tirs dessus, j'ai gardé les safe pour les montrer, on a 4 à faire. PA moins 1 pour 2 dégâts, donc ça va être sur l'invue à 4+. J'en réussis 2, j'en rate 2, ce qui veut dire que lui il meurt et le dernier prend 2 PV. Et ouais, et ce qui fait qu'il va nous rester les 3 shotguns. Du coup on va prier pour qu'il fasse le taf. C'est sur du 3+ parce que j'ai plus 1. Visiblement, ils ont prévu de faire le taf. Ouais, et c'est force 5, endurance 4, donc 5. 3 plus 5. 4, non, 4. Oui, bon, de toute façon. Sans vouloir vous commander. 6 sauvegardes, pas de PA. 6 sauvegardes. Waouh, ils se sont ultra énervés. Oh. Bah, ils sont morts. Ils ont tué. Franchement, c'est pas mal. Hein. Pour l'infanterie, c'est très très efficace. Elles m'ont choqué là, les motos. Ok, bah, je crois que c'est. Fin de la phase de tir. Pas mal du tout. Franchement, ouais, je suis pas mécontent. De la phase de tir, phase de charge. Ouais, phase de charge, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, dans le sens où je vais charger avec mes berserks dans l'avion et avec mon champion dans ce petit bonhomme-là, parce que... Enfin, quoique, non, je vais quand même la mesurer, la tenter. Ouais, tu sais quoi, je vais la tenter, c'est une charge à quasi...
Ouais, c'est une charge à 10. Je vais la tenter parce que allez. Parce qu'elle est importante. Et eh ben non, c'est raté. Il est rerollable lui-même. Oh, oh, ne faites pas ce bruit chez vous, c'est bizarre. ok, et écoute, les berserks vont charger dans la ouais, c'est une charge auto. Voilà. Très bien. Et là-bas aussi, tu voulais charger ou pas? Là-bas, ah oui, je veux aller aider le copain avec le dernier champion qui est vivant. Alors la petite charge du champion qui est également ouais. Rerollable. Rerollable du coup. Ouais, lui-même. Ouais, ouais, on va... Ok, on va faire tous les mouvements et on va faire les dégâts aux impacts de charge juste oui. Après. On passe donc après le mouvement des charges aux dégâts. On va faire dégâts, ouais. De 2 à 5, c'est D3 et de sur un 6, c'est D3 plus 3. Ce sera D3. Ça fera 2. 2 BM, bah écoute, ça va tuer une moto qui avait pris 2 PV. C'est pas mal. Et là aussi. Et oui, là aussi, ouais. Ce oui. Qui est très important d'ailleurs ici. D3 BM, une BM. Une BM, j'ai pas le choix que de la mettre là. Oui. Alors, on est parti pour la première phase de cac juste ici. À sorte, j'ai pas assez de PC pour interrompre, donc on s'en fout de allez, l'activation. C'est parti. Et ben, 3 attaques sur normalement du 3+, mais du 2+, parce que j'ai plus 1. Ça commence méga bien. Et encore du 2+, parce que j'ai plus 1. Et voilà, et ça fait de la pénétration d'armure de moins 2 pour D6 plus 1. 5+. D6 plus 1. Bon, voilà. La moto est morte. Je vais enlever la moto. Maintenant, c'est assez malheureux parce que. Eh oui. En fait, que OC1. En fait, t'es que OC1. Moi, et je suis OC2. Et toi, t'es OC2, j'imagine. Et ouais. Donc, si proche et pourtant si loin. C'est vraiment pas loin, en fait. Ben bah, ouais. Bon. C'est pas beau. Hein. Je vais faire la même chose ici. Ouais. Comme ça, c'est fait. Après, tu auras le droit d'activer une de tes unités puisque après, il ne restera plus que celle-là engagée. Mm-hmm. Donc, c'est 3 attaques aussi sur du 2+. Ouais, c'est tout bon. Et re sur du 2+. On a une qui rate. C'est toujours de la force. C'est toujours de la force 12. C'est deux. Oui, sur la pénétration d'armure de moins 2, pardon. Tac, tac. Et donc, ben, c'est à raté. Chaque fois, c'est D6 plus 1. Donc la première, D6 plus 1, ça fera 6 plus 1. Une moto, la deuxième. Et la deuxième, 6 plus 1, 4 plus 1. C'est une deuxième. Bah, c'est les deux motos qui me. Ouais. J'ai plus de moto. Et ici, c'est la bataille des héros. Ouais, c'est une grosse. Non, mais moi, c'est la bataille des héros. Ouais, c'est ouf. J'ai que des héros. Ah oui, ça y est, on termine. Ouais. Que des on héros. Pas mal. Hein. Et tu vas pouvoir rebiffer ici, puisque les gars, on va vous épargner les 172 coups de marteau. Ouais, c'est clair. Dans le volant. Et je vais te laisser simplement jeter un dé pour savoir si tu exploses quand même. Ouais, parce qu'en plus, j'avais déjà pris 9 PV, donc il n'y a aucun doute que je meurs. Est-ce que je pète? Non. Donc on va juste le retirer. C'est la première fois que vous verrez en V10 un avion tenir jusqu'au tour 4 à Warhammer 40 000. Il a survolé la table comme ça. Je vais faire taper le lieutenant qui est juste ici. D'ailleurs, je vais le tourner, il tapera beaucoup mieux sur le cal, comme ça. Parce que sinon, je sens... T'as laissé tomber Samael. Non, mais Samael, il a un autre combat à régler. Ouais, là. Ouais. Il y a un mec qui l'a chargé, il a pas très bien compris. Il a perdu tous ses potes. Excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous vous êtes trompé, en fait. Donc, le lieutenant, là, il n'y a plus de reroll, donc c'est du nature peinture, c'est du 2+. Les 6 sont létalites. C'est du force 5, donc c'est du 5+. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. de sauvegarde, PA. Ouais. PA moins 2, dégâts 2. Allez, 4+, dégâts 2. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, il est mort. Est-ce que je reviens? Je reviens. Donc j'ai pas le droit de revenir au corps à corps, les gars, c'est mon amélioration qui me permet de revenir une fois que je suis mort, à la fin de la phase. Je l'ai fait maintenant, mais au moins c'est fait. Et j'ai pas le droit de revenir au corps à corps, donc je vais simplement me mettre à plus de 1, parce que je dois me remettre au plus proche de là où j'étais. Donc je vais simplement me remettre à 1, à plus de 1, pour pas être en contact. Et là, dans ces cas-là, moi j'aurais pas le droit de taper, puisqu'il est mort, et tu vas avoir le droit de taper maintenant, d'activer Samael. Ouais, Samael, je le tourne pour le kiff, normalement il peut pas clean parce que... mais. Gars, Samael, quoi. Très belle il fauche comme ça, il va faucher. Par contre, je pense que ton nain est très bas. Ton nain, tu vois. Il est très bas. Je sais pas s'il arrivera assez à se baisser. C'est juste que t'as plus confiance, parce que depuis tout à l'heure, il fait rien. Si, c'est un malade, Samael. Substanit 2. Allez. J'aime beaucoup à quel point tu fais des 6. Touche à 2+. Force 6. C'est très très fort. J'en ai que 2, du coup. Ben oui. Ouais, bah, oui, mais c'est PA moins 3 dégâts 2. Vulnérable à 4. Bah 2 dégâts. Bah voilà. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Très bien. Et à noter que ici, comme
en fait, j'ai été chargé, je n'ai pas chargé, je ne suis pas éligible pour Pilin. Et donc, du coup, en fait, je ne peux pas rejoindre le combat pour te taper, quoi. Oui. Ça marque donc la fin de la phase de combat et donc la fin de ton tour. Ouais. Et par contre, c'est malheureux. C'est malheureux dans le sens où je ne vais ni arriver à faire une cible tentante, ni arriver à interdire la zone. Alors, vous avez vu la game, vous vous êtes dit, oh, il a ratiboisé, il a tout défoncé. Ouais, mais en fait, j'ai remarqué. C'est ce qui est embêtant. Mais en vrai, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fixes. Ah oui, oui, oui. Je vais enlever une cible tentante pour récupérer un PC. Début de ma phase de commandement pour mon T4, côté Dark Angel. Donc, il ne me reste pas grand-chose, comme on l'a dit. On récupère j'ai gagné un petit PC, ouais. Ouais, même 3, un plus. 2. Je suis à 3 PC. À savoir que je paye... Aussi. Alors, je l'ai fait. On a tiré les cartes. J'ai tiré les cartes, plutôt. J'avais chopé un spété signaux. Oui, ça ne plaisait pas. Dans les cartes, enfin, dans les angles. Et c'était impossible. Ça me plaisait pas, donc j'ai payé un PC pour changer cette carte et j'ai chopé engagé sur tous les fronts qui me plaît beaucoup plus parce que beaucoup plus faisable. La première carte que j'avais piochée était derrière les lignes ennemies qui est également faisable pour moi. Très bien se combiner en fait. Je vais pas faire beaucoup de dégâts, mais je vais juste scorer et c'est ok. Voilà, donc du coup j'ai plus que deux PC. House of the Mount, je pense que je vais prendre eux, comme ça quand ils bougeront je tirerai, c'est ce qui me paraît le plus visionnaire d'ici. Ouais. À noter également que j'ai marqué 10 points, encore une fois, au primaire. Fin de la phase de mouvement côté Dark Angel. Comme j'ai dit, c'est du positionnement. À noter que j'ai fait mes cartes de table. Ça y est, j'ai bien fait tout ce que je devais faire. Donc, c'est-à-dire engager sur tous les fronts pour marquer et marquer un maximum de 5 points. Ce qui est pas mal. Hein. Et j'ai fait derrière les ennemis pour marquer également 5 points. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Derrière les ennemis, ici, ça m'a aidé à fuir combat. Avec Azrael. Ici, le lieutenant à la droite désengagé est chargé, c'est ce qu'il a fait. Il va se mettre là au cas où pour régler cet homme-ci. Ici, la moto, elle est repartie en arrière. À noter qu'elle s'est mise à 3 pouces de l'objectif là, tout en étant dans ce quart de table et en étant à plus de 3 pouces de l'autre quart de table. Idem pour Landspeeder. Idem pour Landspeeder. Et lui va dans ce quart de table-ci et il va tenter une charge. Il va falloir qu'il réussisse sa charge pour être entièrement dans le quart de table, cela dit. Mais à la fin du tour, exact. À la fin du tour. Ce que je vais faire, on va régler la question. Je vais à Dunce. Tes yeux. Ok. 4. Et du donc coup, je peux courir à charger. Ah oui, ah bah oui, oui. Ah bah. En fait, je vais pas te charger parce que j'ai que 6 attaques. J'ai peur des berserks. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, j'ai juste le tir ici qui est assez important ouais, là-dedans. Dans le champion, ouais. C'est ça qui est important. C'est deux tirs en et 3 plus. Et d'ailleurs, je vais direct mettre mon Armor of Contempt de Votan. Donc, tu t'as pas une invue avec lui? Et j'ai une invue. Tu as combien de pénétration d'armure avec la plus forte des armes? La plus faible, moins 1. La plus forte, moins 4. Oui, donc... bah non, en fait, ouais, aucun intérêt. Pas. Donc, 2 tirs en 3 plus. Ouais. Très bon. Très, très bon. Est-ce que tu as mis ton serment de l'instant quelque part? Ouais, je l'ai mis là-bas. D'accord. Je me suis un peu loupé. Bah, ouais. 3 plus. Au final, je vais rien leur faire. Bon, d'accord. Relance rien, alors. 3 plus. Ouais. Cassé. Bon, c'est bon. 2 PA moins 4. Allez, invulnérable à 4. Un tir en 3 plus. Oui. Ouais. Force 9, 3 plus. Non. Bon. Ah bah voilà. Ah non, c'est bon. Je vais te charger. Ouais. Petite charge. Fallait pas faire, moi. Voilà. J'ai 5 attaques. C'est du 2 plus. L'étalite. C'est pas mal. Force 5 sur du 5. C'est moins bien. Une save. 4 plus 1 de vue. Par contre, moi, je vais te taper. 3 attaques à 2 plus. Je sens beaucoup moins. À 2 plus. Ça te fait 2 sauvegardes APA. Moins 2, il me semble que je dise pas de bêtises. À moins 2 pour D6 plus 1. D6 plus 1 D6 plus 1. 4. Je vais la reroll. Je crois que tu es mort. Hein. Ouais. Bah 4. Alors vérifie, mais sinon je vais la reroll. 4, si je te mets... Oui, 4, c'est bon. 4, c'est... t'énerves bon, pas, je la reroll pas alors. C'est bon, je m'enlève de la table. Tu n'as qu'à demander. Voilà, je voulais pas vous énerver. Non, mais il fallait le faire. Fallait le faire. Bon, bah voilà. Donc, je finis mon tour. Ouais. J'aurais donc scoré 10 au début de mon tour. Et à la fin de mon tour, je vais donc scorer 10 de plus. Tout pour est secondaire. Les secondaires. C'est pas mal. Hein. Puis, on va passer au T5. Ouais, c'est pas mal, ouais. Allez. Dernier tour. Début du T5 côté Votan. 10 points de primaire, puisque j'ai plus d'objectifs. Ça, c'est pas mal. À savoir que j'ai récupéré un PC, je suis passé à 3, mais je suis repassé à 2 parce que la deuxième carte que j'ai piochée ne me plaisait pas. Et du coup, je suis tombé sur Abattez-le et j'ai toujours l'interdiction de zone. Donc, en gros, je dois tuer un véhicule avec beaucoup de PV. Et en plus de ça, interdire la zone au milieu du champ de bataille à 6 pas autour. Ce qui est déjà le cas puisqu'il n'y a personne autour du champ de bataille.
Donc, ça devrait être faisable. Du centre du champ de bataille. Donc ça, c'est fait, c'est acté. Je vais pouvoir directement passer à ma phase de mouvement qui va être, en fait, en soi, là, c'est la fin de la partie. Ce que je vais essayer de faire, c'est de me camper sur des objectifs le plus possible, de tuer un, voire éventuellement deux véhicules. Et c'est, un peu, c'est tout, parce que le reste, on pourrait faire des batailles et des combats par-ci, par-là, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais surtout faire ça, je vais faire mes mouvements et on vous montre ça juste après. Fini pour moi, au niveau des mouvements pour cette partie, à savoir que j'ai étendu toutes mes unités sur le plus d'objectifs possible, tout en essayant de m'occuper du Dreadnought qui est là. C'est mon objectif principal. Mon escouade de guerriers Votan a fait une advance pour s'étirer, que ce soit sur cet objectif ou celui-là, en mettant bien mon personnage de ce côté-là et bien mon chef d'escouade de ce côté-là. Comme ça, même si mon escouade se fait ratiboiser jusqu'à l'avant-dernière figurine, bah, mon escouade restera sur Stopjo, mon personnage restera sur celle-là, en plus du personnage ici. Donc, je devrais conserver mes deux objectifs normalement. De ce côté-là, je devrais aussi conserver cet objectif puisque j'ai un, deux persos et une escouade dessus. De l'autre côté, j'ai mes trois motos qui vont être difficilement prenables. Donc, dans tous les, très certainement que dans tous les cas, elles resteront là aussi. Mon Hécatombe Fortress n'est pas très loin et a une ligne de vue sur le Dreadnought. Les Berserks se sont rapprochés. Le but étant de tuer cette figurine et d'en terminer là pour moi aujourd'hui. On va d'ailleurs de suite passer à la phase de tir. L'Hécatombe Fortress qui va tout mettre dans le Dreadnought. On va faire comme d'habitude, hein, son super tir à 4+, mais à 3+. Ouais, moi je vais juste mettre Armor of Contain. Ouais, ok. Plus de save de base. Très bien. C'est de la force 16 sur de l'endurance moins, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce qu'il y a des tokens. Donc ça te blesse, c'est de la pénétration d'armure de moins 4 qui passeront direct, donc à moins 3. Donc t'as 3. À moins 3, donc du 6+. Des 6+6. Je vais la relancer pour mes deux derniers PC de la game. Le mec est greedy. 4+6, ça fait 10 points de vie. Moins 1, 9. Moins 1, 9. Bah super, elle est cool la règle. Ça sera pas 10, ça sera 9. Ok, ok. Ensuite, il va faire ses 6 tirs de... Mais attends, mais c'est incroyable, il tirait pas comme ça pendant toute la game. Mais parce qu'en fait, il a qu'un tir. Donc quand ça passe, c'est un truc de ouf. Quand ça passe pas, bah, ça fait rien. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que moi, je l'aime pas, cette figurine. Ça n'a aucun sens. Vas-y. On va continuer. Les matres canon, 6 tirs sur du 4+, mais du 3+. Il me reste plus que 3 PV. Ouais. Force 7, endurance plus. 5+, mais 4+, parce que j'ai plus 1. Ça te fait donc 3 sauvegardes à pénétration d'armure de moins 1 pour 2 dégâts. Ça va 2. Pour 2 dégâts, donc 1 dégât. Et bah 10 PV perdu. Il te reste encore 2 points de vie, et je vais finir avec sa dernière arme, qui est donc le double bolt canon de la mort. C'est incroyable, puis je mets du temps à trouver ce plan. Hop. C'est sur du 4+, mais du 3+. Il y a du 6, c'est du sustained hit. En plus, ça va faire 2 tirs en plus. C'est de la force inférieure à ton endurance. C'est sur du 5+, mais du 4+, parce que tu as les bons tokens. Ça te fait tout ça de pénétration d'armure de moins 1. De peut-être... Donc, du coup... Faut que tu me dises. Oui. Si c'est PA moins 2, je prends un dégât. Et ben, Twin Bolt Cannon, c'est du PA moins 1. Bon, bah j'ai rien pris. Mais dégâts 2. Ah bon, tu t'en fous. J'ai rien pris. D'accord, très bien. J'en ai fini avec lui. Ouais. Bah j'en ai fini tout court avec ma phase de tir. Hein. Phase de charge. Je vais charger et je pense qu'on va pas faire grand chose. Oui, bah tu vas me taper, tu vas me faire mes 2 PV restants, hein, sans souci. Est-ce que je pète? Voilà. Pour l'honneur. Oh, D3 BM. Hein. Seulement D3? Bah 3. Et ben 3 Feel No Pain à 5. Bah, voilà, ça fait 1 mort et demi. Je pars pas seul. Juste pour le plaisir. Mais écoute, ça clôture mon tour. T'as beaucoup scoré. Mmh. T'as scoré 10 au début de ton tour en ouais. Tactique. Là, je fais l'interdiction de zone à 5 points. Ouais. Et en plus de ça, je fais le détruire un monstre ou véhicule. Là, c'était une figurine qui avait donc plus de 10 points de vie. Et donc, je marque 3 points de victoire. Un total de... Ça fait 18 pour ce tour-ci. Ouais. Mon dernier tour. C'est pas mauvais du et tout. Et je suis sur 1, 2, 3, 4 objectifs. Donc, logiquement... Tu vas marquer 15. Tu devrais arriver à marquer 15 points à la fin de la game. Bon, on va tirer les cartes côté Dark Angel, on va voir un petit peu ce qui est possible. Exactement. Début du T5 côté Dark Angel. Vous allez voir le tour le plus rapide parce qu'on a fait nos petits calculs, sauf si on a fait des erreurs de calcul, ce qui peut très fortement arriver. Oui, parce que j'ai l'impression que tu es aussi doué que moi en maths. Ouais. à savoir que là, je vais scorer 5 points, ok? Oui, il te reste un objet. À la fin du tour, on va tous les deux scorer en fonction du nombre d'objectifs qu'on contrôle. 5 points. Ça va moi 5 points et toi 15. Donc là, ce tour-ci, je vais marquer 10 points. J'étais à 68, je vais passer à 78 points.
Et quand on cumule tous les points de Félix, il finit à 73. Mm. J'ai pas besoin de bouger pour gagner. Quoi qu'il arrive, à 5 points, tu gagnes. Et t'as même pas pioché tes secondaires, qui sont pas faisables parce que c'est capturer l'avant-poste ennemi et pas de prisonnier. Ah bon, bah voilà. Donc en fait, je vais pas me faire chier. Oui. J'ai déjà utilisé un PC en plus pour en changer un. Je vais simplement pas bouger. Et je trouve que c'est une fin, une très belle fin pour de la Ravenwing. Ouais, que de pas bouger. On se regarde comme ça, genre, non. Tu sais, c'est pas envie. C'est vraiment l'escouade rapide des Dark Angel qui ne bouge pas pour gagner. Ouais, j'ai plus d'essence. On joue fluff. Plus trop de moto. Eh ben bravo! GG ultra serré à 5 points d'écart, on fait un mini débrief et à tout de suite! Fin de cette partie, les Votan contre les Dark Angel à 5 points d'écart! Franchement, c'était trop cool! Trop cool! Ouais, trop cool! Létalité, sans problème, tu m'as défoncé, je concède. C'est vrai! C'est vrai qu'à la fin, tu termines à plus grand chose sur la map. Non mais si, oui, et puis s'il y avait 6 tours, j'ai plus le choix. Ouais, il y a moyen. En létalité, les Votan sont ultra létales. Ouais, c'est énervé. Ouais. Les touches, je dirais même. Je trouve. En fait, à chaque fois, ça me surprend de voir à quel point ça dépote, quoi. Et pourtant, tu vois, à ton T1, t'as pas fait grand chose, puisque en fait, tu vois, t'as même rien fait. T'es de chou blanc avec les thermiques. Ouais, pas grand chose. Déception totale sur les motos, enfin sur tes motos. Sur le gros pack d'intercesseurs. De base en fait. Après, il y a Zarel dedans, tu vois. C'est, ouais, c'est voilà. Ça qui joue. Ouais. Mais finalement, t'es de pas si létal. Non. Et je sais. Franchement, je m'en suis même pas rendu compte réellement. C'est quand j'ai pris du recul, j'ai fait. Ah, mais en fait, j'ai plus que 6 fixes sur la table. Où sont passés mes fixes? Ça s'est fait, ouais, très petit à petit en fait. Et ça a grignoté par-ci, par-là, et bam, après c'est un T3 où je crois que c'est au T3 où t'as quasiment tout tombé. Je fais waouh. Et le T4 surtout aussi qui a continué de ratiboiser. Mais du coup, trop bien. En plus, c'est quand même pas mal résistant. Les thermies, mine de rien, ça rigolait pas hein, ce qui allait sur eux. Entre les motos, plasma. Tout ce que tu leur as mis dedans, ça à chaque fois pareil, ça me surprend aussi quoi. Ils ont une grosse endurance quoi. Super résilience. Le Talon hein, Dark Angel, l'avion. Respect! Respect, le Talon Master. Ah, c'est incroyable. Ouais. Si on peut le dire, je pense que j'ai gagné la game grâce à lui. Ah bah, clairement. C'est certainement ça. Le Talon Master a gagné la V10, quoi. Lui et le Dreadnought. Dreadnought aussi, tu vois, avec ses plasmas à tir 1 et 2, hein, D6. Ouais, mais phase de tir de 20 minutes, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. mais trop bien. Ouais, de ouf. T'étais pas très chanceux sur la game. On va le reconnaître, je pense. Pas de ouf, mais ça va. Franchement, pas de ouf. Mais c'était pas non plus des trucs, je pense qu'il y avait pas non plus des gros trucs non, en mode non, il faut absolument que je le fasse. Non. Tu vois, t'as pas eu de chance, mais sur des trucs où en fait c'est gérable. Oui. Et ça se voit, oui. D'ailleurs en fin de partie tu rattrapes beaucoup parce que tu survis. Moi j'ai eu de la chance sur le tirage des cartes parce que j'ai eu beaucoup de bons tirages. Et parce qu'au primaire tout le long t'as été super régulier. Également aussi. Parce que j'ai pas réussi à t'enlever des objets suffisamment rapidement. Et franchement, le fait de pouvoir désengager, charger avec le détachement Space Marine qui est le nouveau là, c'est super agréable. Le moins 1 hit, moins 1 bless, ça a été moins probant sur cette game parce que toi, tu as des tokens. Ouais, mais je pense que je t'aurais éclaté encore plus sur certaines unités si tu n'avais pas eu ça. Si j'avais pas eu ça, oui. Mm. Et imagine en fait que tu joues contre quelqu'un qui n'a pas ces tokens. Ah bah oui. Le moins 1 hit, moins 1 bless, mais c'est fini. Ah bah oui, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Donc, c'est clair. Et puis les PC avec Azrael, c'est monstrueux. Quoi. Ouais, là, c'est ce qui manque. Hein. Moi, je me suis retrouvé en galère. Mais après, c'est cette règle qu'on avait qui faisait que dès que tu faisais une relance, et moi, les charges, j'en ai relancé, je crois, 2, voire 3. Ouais. C'est 6 points de co, quoi, en tout. À noter qu'en Votan, en plus, il y a des unités à désigner pour tuer en premier pour gagner des PC. L'unité, on l'a pas dit, mais c'était en off, c'était le Land Speeder. Donc, du coup, au final. On a absolument pas réussi, en fait. C'est pour ça que la règle C'est pour ça que tu n'as pas eu de PC. Toutes les unités qui avaient des doubles tokens, je crois que j'en ai tombé aucune, à part en fin de game, le Dreadnought et une unité de moto, peut-être au T4. Enfin bon, ça a rien changé, clairement. Encore une fois, vous connaissez la musique, hein. On ne prétend pas être expert, ok. Donc il y aura peut-être des erreurs, des choses, mais l'important c'est l'amusement, le ressenti sur la table et voilà, des bonnes personnes pour jouer. Exactement, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est ça qui est beau avec ce jeu. Voilà, Félix, un grand merci d'être venu. Mais merci à vous pour l'accueil. De loin, en plus. Mais bon, pas si loin que ça. Merci pour l'accueil, les gars. Bah, avec Top grand plaisir. Top accueil. Ça a beau être des Parisiens, ils sont sympas quand même. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le petit tacle gratos, comme ça, là, On finira sur ça. Je peux pas en dire plus, je me sauve. Drop the mic. Salut.